Yorana. Te amatara tata torurura. Maruru maite, mo iriti ture maohi, pahonura ite nei titaura. E fari mate mana o tata rahapa no te taere. Ma maori te tere rapere o ite ye pui. Ya, on m'a annoncé quelques bouchons sur les routes ce matin. À destination des journalistes, il y a des embouteillages. Certains élus ont quelques difficultés à rejoindre l'hémicycle. Maruru maitei, tutato farerila. Yanineyau, yamadawa haurotato, la séance est reprise. Yanineyau, tutato papai praudhei, yatei omait mou maitir atatia. Pretetenitei te mou praudhatia te hamanahia. Na Big Sabrina, ya Tamara Bobdipo, na Isalei Fra, ya Patricia Jennings te tonu, ya Myron Matawa, ya Ruben Terimati. Ya Oli, ya Myron Matawa, Ruben Terimati. Olivier Marie, il y a François Stama, Rapoto Jean-Marius, il y a Justine Teura, Umataro Ferno, il y a Juliana Mati, Natani Thérèse, il y a Vito Mamatua, il y a Natuaho Ismaël, il y a Utia Damas, Natchun Tororo, il y a Daphné, Chavez, il y a Tongson Gaston, il y a Armel Merceron, il y a Béatrice Venodon, il y a Teikinoui Paulier, Alpha Théari, il y a Jean-Christophe Buissou, Riston Mouni, il y a Maïna Sage, Matetoni Lana, il y a Eriti Teura, Na Mareura Teina, il y a Eleanor Parker, na Maritera Guimero Tolia, il y a Léonie Mataoua, na Venodon Clarence, il y a Jacques Hidrolé, na Joël Fribourg, il y a Chantal Galland. Maruru Maitei, Tianineia, il y a Tato Papai Praudhei, il y a Tei Omei, Tato Opuar Atapur Ohipa. E pretetini te ite o pura ta pro hipa fa no ia na te mo pretetini te popu ite mahana mahana pe meriani numara hoi hamana ra ite ta pro hipa numara piti hi o pura ite mo pro tua ta papa te mo o pura ture fenua na te hau fenua ite o pura fa o tira mana e hi o mai ite ta pura ta pidia numara turu hi o pura ite mo rata ite mei numara maha o panira ite taururu ata e e numara pe o panira ite rurura. Maruru maitei, ia uite anira a tfaterera o tfenua, e mahata tato tumuprau e tō e nei, e wani mei tfaterera e huri tato e tunumara ho e tunumara piti. E hamata tato nani e tunumara piti, e oti haru mai e tato e tunumara ho e, haru mei tunumara toru e tunumara maha. Tato tapura hiwa i te mhana, tfei ai whari, a fei tirmenia, te tato ara, a lunanimite, maruru maitei. Norira, te aninei au i tō tātou whātrehau i te pēo te tere rafofa o ia o te iani mai i a tuatapapa whahua tātou i te ienei ture whenua numara piti taupili ahuru matoru e ono no te ahuru mamaha no māti no te mataiti piti taupili ahuru e matoru i a tai o whahau tātou i a whātiti eifaro tātou i te teimo mana o merato merato nārora wa iani i tō tātou whātrehau. E ha te ienei tei ora. Maruru Pretetini, Yorana Tato Ite Ipepe Iapi. Effectivement, j'avais donc demandé à ce qu'il soit possible de passer en seconde lecture l'article concernant l'interdiction faite aux banques et aux organismes financiers d'utiliser donc le crédit d'impôt. Dans la mesure où la loi de pays, en son principal, avait donc orienté la capacité de la défiscalisation sur le secteur primaire et le logement social, suite à une rencontre que nous avons eue avec les responsables des banques, ils ont donc accepté que le crédit d'impôt leur soit ouvert dans les domaines de référence que je viens de citer, c'est-à-dire le logement social et le financement du secteur primaire. Je propose donc à l'Assemblée une modification dans le cadre de la seconde lecture de cet article LP 4. Maruru maitei e te whaterehau, ua tua tapapai te mou pole titeni pupu te roar au te taimei o tatatou proprau. E ahuru miniti nani i pupu tataitei, e te aninei au i te pupu atia purinetia,
Armel Merceron, il a fait un petit peu de Armel Merceron, il a ouvert. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Vice-président et Messieurs les ministres. Bonjour, chers collègues. Je dirais que, comme une armée de petits soldats, votre majorité a adopté le 14 mars ce texte, dont vous demandez aujourd'hui une deuxième lecture, et en fait, quatre jours après. Quatre jours après, vous demandez, vous adressez un courrier pour demander une nouvelle lecture. Et avec un revirement, je dirais, non pas à 360 degrés, mais à 250 degrés, peut-être. Et pourtant, ce n'était pas faute de vous avoir dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce texte. Et cette décision de votre gouvernement pourrait faire sourire si la situation des entreprises et des investisseurs locaux de notre pays n'était pas si dramatique et si désorientée. Le texte relatif à l'exclusion des banques du dispositif de la défiscalisation locale, que vous avez donc, avec votre majorité, validé la semaine dernière, contre vent et marée, sans tenir compte de nos remarques constructives et fondées, eh bien, encore une parfaite démonstration de votre incapacité à analyser la situation du tissu économique local et des priorités de relance. Il y a une semaine, vous n'étiez pas à court d'arguments pour nous expliquer par A plus B que les banques n'avaient rien à voir, rien à faire en tant qu'investisseurs dans le mécanisme de la défiscalisation locale. Et aujourd'hui, et vous le dites, Monsieur le ministre, après avoir vu les banques, c'est dommage que vous ne les ayez pas entendues avant. Ça nous aurait fait gagner à tous du temps et, à vous, et ça aurait apporté un peu plus de clarté à vos positions. Donc, vous revenez nous présenter le même texte de loi avec cette fois-ci. Et cette fois-ci, vous retournez vos arguments là où il n'y avait pas de justification. Vous dites que finalement, ça ne serait pas une bonne chose que les banques n'aient plus la possibilité de venir par la défiscalisation, apporter leur soutien à leur projet d'investissement, à un projet d'investissement. Et vous disiez, et vous dites dans votre courrier que dès lors, sous-entendu si les banques étaient exclues, cette situation générerait, en termes de retentissement économique, des effets néfastes qui obéreraient toute possibilité de relance de l'économie. Ben pourquoi vous n'avez pas accepté cette position quatre jours avant? Ça aurait été beaucoup plus simple. Le Tahouira avait déposé un amendement qui allait dans ce sens. Donc, faute de nous avoir entendus et conscients de votre erreur, et là, je pense que c'est bien de savoir corriger ces erreurs, donc, et finalement, on peut dire que c'était du bon sens, donc, vous faites marche arrière. Et vous dites, OK, on remet les banques, mais et c'est là que ce n'est pas 360 degrés, c'est 250 degrés de retour, vous acceptez les projets du secteur primaire et du logement social comme étant accessibles à la défiscalisation par les banques. C'est sûr, ce sont deux secteurs importants et bien sûr, nous sommes favorables à cette proposition que nous suggérions déjà la semaine dernière. Mais néanmoins, pensez-vous vraiment qu'au point de dépression dans lequel se trouve notre pays, il faille limiter cette possibilité de défiscalisation des banques à ces deux secteurs, parce que ce sont tous les secteurs de notre activité économique qui sont en récession durable. Pourquoi exclure des chances de création d'emplois dans d'autres secteurs? Des marchés. Pourquoi exclure des possibilités de marchés nouveaux pour des entreprises qui en auraient besoin? Que faites-vous, par exemple, des futurs projets de transport interinsulaire qui sont tout aussi importants, des projets d'investissement en production d'énergie renouvelable? Donc, nous vous invitons, nous, le groupe Atia Porinetia, a fortement libéré et beaucoup plus libéré les initiatives privées, a débloqué les freins administratifs à l'investissement.
On sait très bien, le pays n'a plus les financements nécessaires à une relance massive par l'investissement public, en tous les cas, tant qu'on n'aura pas mis le pays sur les rails de la croissance. Et ceux qui tiennent ce discours rêvent encore d'un temps révolu. Votre gouvernement devrait donc s'atteler davantage à soutenir tous nos investisseurs locaux dans leur volonté de redresser le pays, plutôt que vouloir les conditionner dans le seul rôle de contribuable aux impôts. Parce que, finalement, et c'est ce que je vous disais il y a 8 jours, dans tout ça, qu'est-ce qui vous guide? C'est la recherche de recettes fiscales. Qu'est-ce qui vous guidait? C'est la recherche de recettes fiscales supplémentaires pour essayer de colmater l'impasse, le déficit qui est sous-jacent au budget que vous avez adopté, et ceci dans une économie déprimée. Bon, moi je dirais chercher l'erreur, on a beau presser le coco, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Je vous remercie. Maruru mai te ei, no te ienei mana o mata mua, te anine ioi te tiao te taho e rahu i ratira, mei te peu e mana o, o ei te auha mai, Jean-Christophe Bisson. Carmel, tu pui ta oi. Pardon. Maruru ro, yorana e preteni, yorana to tato mo fatereo, tato mo buhaer tui tapura rei, whari mei tapo ono te rufa, e tano atui tu mo hoa toa e te tianei tui tatatu apurar hei no te wharo i tu mau a tua tohopara. Te hinau neo e whatai tatu tapau no te rufoa, mea to mei i te pupu tahu e rahuratio. Monsieur le Président, je retrouve un peu confus, évidemment, par la réintroduction de ce dispositif qui avait fait l'objet d'un large débat il n'y a pas si longtemps, avec tous les arguments qui ont été mis en avant pour faire comprendre au gouvernement et particulièrement à notre ministre des Finances que vous faisiez fausse route en dégageant du dispositif les banques locales qui sont nécessaires à la réalisation de nombreux projets dans des secteurs qu'on peut estimer prioritaires. Il n'y a pas d'ailleurs que le secteur du logement social ou le secteur de l'agriculture. Je remarque ici, dans l'exposé des motifs, que le secteur bancaire a été d'un poids extrêmement important dans le financement des 200 et quelques milliards de francs, 230 milliards de francs, je crois, de projets depuis l'existence de notre système de défiscalisation. Et vous revenez donc aujourd'hui nous proposer de réintroduire les banques uniquement dans ces deux secteurs que je viens de citer, à savoir l'agriculture. L'agriculture, particulièrement pour vous, et ça on peut le comprendre, nous sommes aussi très en soutien au niveau de ce secteur, et le secteur du logement social. Alors, par mesure de charité chrétienne, on ne va pas en remettre une couche. Je sais que c'est très difficile pour notre ministre de revenir devant nous. Vous savez, c'est un peu le mettre à nu par rapport à ces déclarations précédentes, mais enfin, quand même, on estime, et cela vient d'être dit par ailleurs, qu'on ne va pas suffisamment loin. Et puisque vous autorisez les banques à pouvoir redéfiscaliser, et puisque vous décidez aussi de ne plus compter sur la manne des impôts bancaires au niveau de votre budget, libérez. Ça pourrait faire l'objet d'un slogan. Libérer les banques. Laisser les banques investir dans les domaines que nous jugeons effectivement prioritaires et qui sont dressés déjà dans notre code, puisque les secteurs sont nommément cités. Donc, nous proposons à nouveau une proposition d'amendement qui vous a été distribuée, voilà, et qui enlève toute contrainte que vous souhaitez remettre en termes d'encadrement pour permettre aux banques de pouvoir réinvestir. J'ai moi-même eu des contacts avec des directeurs de banques pendant ce laps de temps, entre le moment où le texte a été discuté il y a quelques jours et aujourd'hui. Les banques ne pensent pas que
avec uniquement le secteur de l'agriculture et le secteur du logement social, elles pourront participer d'une manière bénéfique au développement économique de notre pays. Et il y a énormément d'autres projets en cours de gestation qui nécessiteront l'intervention des banques polynésiennes. Voilà, donc on souhaiterait vous interpeller là-dessus et puis appeler nos amis de la majorité, puisqu'on doit voter ce texte-là, d'accepter que nous allions plus loin et de ne pas rester dans cette contrainte qui est proposée aujourd'hui par le ministre des Finances et par le gouvernement tout entier. Voilà, Monsieur le Président, merci. Maruro Jean-Christophe Buissou. En termes de charité chrétienne, on peut imaginer que le jeudi saint, on puisse le faire, n'est-ce pas? Bien, merci, Monsieur le Président. Bien entendu, je m'attendais à une vision très libérale de l'opposition. Je ne me suis pas trompé. Je rappelais qu'il fallait donc concentrer nos moyens. Lorsqu'on revient sur le passé de cette défiscalisation, au bout de 15 ans, plus de 230 milliards, on s'aperçoit que le secteur primaire a été le plus délaissé en la matière. C'est-à-dire que les projets n'ont pas été présentés, n'ont pas été développés. Et il est vrai que les banques ont beaucoup participé, notamment dans des projets immobiliers. Mais des exemples de par le monde, on en a eu. Hein. Notamment en Espagne, qui a construit sa situation économique sur de l'immobilier. Allons même jusqu'à créer une bulle. Et du jour au lendemain, les choses se sont compliquées. Ils sont empêtrés dans des situations. Bon, après débat auprès du gouvernement avec la majorité, nous avons voulu recadrer les choses parce que la manne financière n'est pas extensible. Donc, concentrer nos moyens sur les deux secteurs. Un, le secteur primaire, le logement social pour lequel on a constaté des difficultés, y compris de mobilisation des fonds de participation de l'État. Qu'on se le dise. Lorsque j'entends dire ici que si on n'arrive pas à concrétiser le projet, l'État va rapatrier ses fonds, mais que l'État déjà apporte, ça ne coûte pas. Parce qu'on s'est retrouvé dans une situation paradoxale par rapport à 2011, où il est vrai que j'avais des difficultés à aligner la quote-part du pays en termes de trésorerie. Aujourd'hui, c'est les inscriptions de l'État qui ne sont pas prévues. C'est pour dire, dans le parcours des montages financiers. Voilà la réalité. Alors, je ne sais pas, M. Buissou dit avoir rencontré les banquiers, je les ai moi-même rencontrés. Ont-ils un double discours? Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que je les ai rencontrés pour débattre de cette situation. Elles m'ont donné leur aval. Effectivement, elles comprennent que compte tenu de la situation, elles sont prêtes. La manne financière des banques se situe aux environs d'1,8 milliard. Regardez ces deux secteurs. Déjà pour un logement social, un immeuble, je dirais. Vous savez bien, 1,8 milliard au maximum, je dirais que c'est un immeuble de pas si important que ça. On arrive à des programmes de 2 milliards, 3 milliards pour un programme. Donc elles ont accepté le principe. Elles ont dit effectivement, on comprend la position du gouvernement et à un moment donné, il faut tous se concentrer. Cette situation. Non pas que je veuille brimer les autres secteurs d'activité, mais il faut aussi appliquer une rigueur sur la gestion de nos fonds publics. À vouloir se disperser partout, on ne fait rien de concret. Regardez donc, où sont passés les 230 milliards de la défiscalisation? Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Qu'en reste-t-il sur notre propre économie? C'est vrai que dans le bâtiment, ça donne de l'activité rapidement, notamment à ceux de nos concitoyens les plus en difficulté dans le niveau de formation. Je suis d'accord. Mais encore faut-il qu'on traite également par rapport aux besoins qui se font naître. Nous avons donc identifié le logement social, qui d'ailleurs a le vent en poupe au niveau des investisseurs. Nous avons eu une commission, donc pas plus tard qu'hier, et j'ai eu la surprise de voir bon nombre de projets de logements sociaux.
la notion donc de construction de bâtiments de logements de gamme est mise de côté par les propres promoteurs qui ont bien compris et qui se focalisent là-dessus, sur lequel le pays va bien entendu les accompagner. C'est donc, au-delà des discours, l'une des réalités incontournables, c'est la capacité du pays en termes d'accompagnement, c'est-à-dire sa propre défiscalisation, 4,5 milliards. Fallait-il ouvrir à tout va ou alors se concentrer? Le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de se concentrer. Encore faut-il expliquer aux banques d'accompagner ce mouvement, ce qu'elles ont compris et accepté. On ne peut pas partir dans tous les sens. Je sais bien que lorsqu'on va recevoir un projet d'une ampleur importante, on n'aura pas les moyens de suivre compte tenu de la situation de nos finances. Il faut bien procéder à cette situation au redressement. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que le redressement se fasse au plus tôt, à moins que vous ayez des recettes miracles. Je vais certainement découvrir dans la présentation à la presse quelques programmes qui tomberaient du coup de baguette magique. Mais la réalité est tout autre. Ça doit se reconstruire dans le temps, tout en donnant un soulagement sur la situation des gens les plus en difficulté. Et notamment, moi, j'ai fait le choix de concentrer les moyens de la puissance publique, y compris le crédit d'impôt des banques, car ne l'oublions pas, il s'agit de fiscalité. Le pays était tout à fait en droit de définir l'orientation de cette fiscalité. C'est ce que nous proposons, Monsieur le Président. Et donc, bien entendu, je ne peux pas soutenir le projet d'amendement déposé par le Taouera qui consisterait à revenir dans les fastes du passé. Nous n'avons plus les moyens. E piti papae ta e te i teme e tu i tō tātou rima. E ni au i tō tātou whātrehau, i a tei o mei tāna papae. E ni au i a Sandra Levy, Agami, a Orera, i a Jean-Christophe Bissou, i a tei o mei tā rāua. Tau aparau tō i tātou i o ti mai. Re ane, orere whātrehau, tei o mei tā o e papae api. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous propose donc de modifier l'article LP4. Au lieu de les établissements bancaires et établissements de crédit ne peuvent pas effectuer de financement ou droit à crédit d'impôt, lire in fine de l'article LP 916-1 et ajouter un alinéa rédigé ainsi qui suit. Les établissements bancaires et établissements de crédit ne peuvent effectuer de financement ouvrant droit à crédit d'impôt que dans les secteurs définis au 1 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 2 du titre premier de la troisième partie du Code des impôts, entre parenthèses logement social, et à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre premier de la troisième partie du Code des impôts, entre parenthèses secteur primaire. Maruru Maitei, Ete Fatreheu, Tianine Yau, Ya Jean-Christophe Bissou, Aurela Ya Sandra Levy Agami, Ya Tei Omei, Taorua Fatite Farola. Maruru Pretetini, Tato Patoa Yorana. Amendement numéro 1, supprimant l'article LP de la loi de pays portant modification de la troisième partie du Code des impôts, incitation fiscale. Il est proposé de supprimer l'article LP 4. Article LP 4, in fine de l'article LP 916-1, est ajouté un alinéa rédigé ainsi qu'il suit. Les établissements bancaires et les établissements de crédit ne peuvent pas effectuer de financement ouvrant droit à crédit d'impôt. Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Maruru Maitei, tenia tato i te tau oparaura, te vera anei te te mouman o hauatu, orera tomo tato rotu i te maitira. Avez-vous d'autres questions ou pouvons-nous procéder au vote? Wopauta manon, aem akau, Sandra Levy Agami. Merci, Monsieur le Président. L'exposé sommaire. Réduire le champ d'accès au crédit d'impôt pour les banques à seulement deux secteurs d'activité risque d'être très certainement d'être contre-productif vis-à-vis de l'objectif affiché par le gouvernement.
et même de remettre en cause certains projets actuels, comme la mise en service d'une nouvelle Aranui. Donc, il y a des, ce qu'on veut expliquer là, c'est qu'il y a des investissements en cours et que la modification qui est proposée par le ministre risque de mettre en péril ces investissements en cours. Jean-Christophe Wissou. Oui, merci. C'est vrai que les textes que nous votons, loi de pays, délibération que nous votons à l'Assemblée, aident à encadrer la politique générale d'un gouvernement. Mais je voudrais quand même pointer du doigt le fait que, en matière de défiscalisation, il y a une commission d'agrément. Et cette commission d'agrément peut parfaitement refuser le soutien à des projets qui ne rentrent pas à l'intérieur des priorités politiques, économiques et sociales d'un pays et d'un gouvernement. Enfin, c'est bien le rôle d'une commission. Sinon, on enlève les commissions et on revient à la situation antérieure qui faisait que dès l'instant où on déposait sans sa demande de permis de construire, on pouvait rentrer automatiquement dans le processus de sollicitation de la défiscalisation. C'est là où je ne comprends pas, dans le sens de l'intervention du ministre, le fait qu'il faille aller contraindre jusqu'à ce point à l'intérieur de notre texte. Si vous faites passer le message auprès des banques pour dire, écoutez, nous souhaiterions que vous placiez vos avoirs dans tel ou tel domaine, dans l'agriculture, dans le logement social, et peut-être demain, parce que vous l'aurez oublié, et malheureusement, on ne pourra pas se réunir autant de fois que l'on souhaite ici, revenir pour demander à l'Assemblée d'autoriser aussi un autre domaine. Vous voyez ? Donc c'est dans ce sens-là que l'on vous propose de voter pour notre proposition d'amendement, pour ne pas limiter voilà, les possibilités d'intervention de nos banques. Maruru, sauf que pour être complet, les avis de la commission d'agrément ne sont pas conformes. Hein. Ce n'est pas des avis conformes, donc le gouvernement peut décider contre l'avis de ces commissions d'agrément. Tiro te farine. Maruru, pour être tenu, farine, que tu as pas au Aikate mon o to tātou mō tae no te pē, no te pē i ti hapero. Te ui rā e vei nei rutu i au. Mena hea te mou whanhorā i rutu i te mou wharemoni ato no te ara. Mena hea te whanhorā i te whenua taratoni, i kanaki. Mena hea te whanhorā i te mou whenua whrani e huara au. Nahia te mou whanhora i Europa ma. Wa taoti ane huara to. E me fau whaatara au ita. No te mea, ai kato o te whaatare hau i haperutu i tana mou whanhora, mou whiru ita. Me te pau rahi nga aro tātou e whaamahuta whahau te parau o te imira fau whao te whenua nei. Ti tau hia e tauit hi ora o te mou whanho ra a teira weno hia. Ti tau ora e hio, te ohupa o te tupu i rapa, te ore e manuia, e na whae e ha manuia i o tātou. Nā roto ora e tera whiru i rā, e rawe amu i te tātou ora. Kia rwhai arhei. Naruru, tapa mai te whatare hautu. Tapa mai te tumua nira. Ia, te anira oia oe tapa mai te tumua nira, ia pahonu hi atu. Sandra Leviagami. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que si on a déposé cet amendement, c'est parce qu'il y a quand même des secteurs qui sont importants en Polynésie française et qui ne sont pas ciblés. Je pense notamment à l'industrie. Je sais que ce gouvernement met vraiment en avant le secteur primaire, mais au-delà du secteur primaire, il y a tout ce qui est phase de transformation. Et je sais que ça aussi, ça fait partie des projets que vous voulez soutenir. Donc, pour répondre un peu à l'intervention pertinente de Hiro Tefarere, je dirais que globalement, ce qui se passe dans les autres pays, c'est qu'on pose une loi cadre. Et après, chaque année, c'est le gouvernement qui donne les orientations.
Mais le gouvernement ne change pas la loi chaque année. Il a posé la loi cadre et après, il donne ses orientations. Donc c'est un peu ce qu'on vous propose à travers cet amendement, c'est de pouvoir laisser la loi cadre telle qu'elle existe et permettre au gouvernement d'avoir une certaine flexibilité pour donner les orientations qu'il pourra changer même en cours d'année s'il estime qu'il faut qu'il soit beaucoup plus réactif. Donc voilà juste ce que je voulais apporter comme précision. Merci. Marourou, Armel Merceron. Merci. Moi, je voudrais revenir sur un point quand même qui me paraît devoir être bien dit et clarifié, parce que je ne sais pas si tout le monde le saisit bien. Dans les arguments que le ministre donne pour modifier le texte et permettre aux banques de à nouveau soutenir des opérations de défiscalisation dans le logement et dans le secteur primaire, la réintroduction de cette possibilité ne ramène pas à la situation ancienne. Parce qu'on pourrait se dire, bon, ça y est, maintenant, dans ces deux domaines-là, on va pouvoir permettre aux banques de défiscaliser. Il faut tenir compte du fait que dans la loi que vous avez adoptée la semaine dernière, il y a un article 918.1 qui lui a été adopté et qui n'est pas remis en question et qui indique que le montant de l'incitation fiscale polynésienne doit rester inférieur ou égal à la somme des autres apports hors des fiscalisations métropolitaines. Ce qui veut dire que, et c'est sous-tendu, enfin du moins c'est plus ou moins dit sans faire la relation dans les arguments du ministre, c'est que finalement on va se retrouver devant des situations où les banques vont pouvoir soutenir des opérations de défiscalisation dans le domaine du logement et du secteur primaire, mais dans la limite de l'article 918.1, ce qui impose donc que là où on pouvait avoir un maximum de défiscalisation pour faire effet de levier pour que ces projets puissent se réaliser, maintenant, on va devoir prendre en considération que le montant de cette défiscalisation reste limité et qu'il faudra que les promoteurs aient recours à l'emprunt bancaire pour compléter. Pour moi, c'est une condition de durcissement de l'accès au financement nécessaire. Et je pose la question au gouvernement de savoir si le fait de prendre en considération ces deux conditions, accès, oui, mais limité par l'article 918.1. Est-ce que vous avez donc bien discuté et exposé, et est-ce que les banques ont pu exposer les risques d'échec, finalement, de montage financier qui tiendrait au fait qu'il faudrait augmenter l'emprunt? Parce que les banques n'accordent pas leur emprunt, enfin des prêts n'importe comment, il y a des conditions, il y a le coût du crédit, et je pense que ça vient rendre plus difficile le montage financier. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de risque de faire échec à certaines opérations parce qu'il y a une partie du financement qui devra être plus important en emprunt? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est quand même une question importante. Merci, on a compris. Fadrihel. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis effaré et atterré par ce que j'entends. La commission d'agrément n'a pas compétence à vérifier qui va venir au crédit d'impôt. Elle n'a pas compétence. Elle agrée un projet. Dès lors que le projet a été agréé, les promoteurs vont voir les entreprises qui dégagent des résultats. La commission d'agrément, y compris le gouvernement, n'a pas compétence. Il ne faut pas confondre les choses. Ça veut dire, demain, quand vous le demandez, remettre en l'état l'ancienne disposition, on ne sait pas qui va utiliser et dans quel projet le crédit d'impôt bancaire. Ou alors, il y a une totale incompréhension de la lecture des textes de la défiscalisation. C'est bien là le drame. Est-ce que le gouvernement pouvait orienter ce crédit d'impôt? La réponse juridique est oui, c'est un avantage fiscal. C'est pour ça que j'ai souhaité rencontrer les banques, leur dire,
Voilà les deux secteurs sur lesquels nous pensons que la priorité est la mobilisation des fonds publics. N'oublions pas que le crédit d'impôt, c'est de l'argent public. Elles ont accepté. Parce qu'on n'a pas compétence une fois qu'on a accordé l'agrément. Et on découvre, au moment du dépôt des liasses fiscales, par ces entreprises comme par des banques, elles mettent en avant le crédit d'impôt. Et là, on découvre c'est allé dans tel projet. Alors, c'est une méconnaissance totale des procédures. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je vais rassurer Madame Sandra Lévy-Agami. Avez-vous lu le texte de la semaine passée? Nous avons intégré une notion de période transitoire. Le texte que vous avez adopté ne remet pas en cause les financements déjà accordés, notamment pour la RANUI. Ça a été un point de discussion avec les banques. Elles ont compris cela. Tous les projets qui ont fait l'objet d'un agrément, y compris tous ceux qui ont fait l'objet d'un dépôt avant la promulgation de la loi, ne seront pas inquiétés ou revisés par les nouvelles dispositions. Là encore, je suis étonné qu'au niveau du Taouera, on ose affirmer cela dans un amendement. C'est une méconnaissance totale des dispositions adoptées par l'Assemblée. De même, Madame Merceron, je vous invite à relire le texte. Il y a bien l'obligation de pouvoir rassembler en financement propre, en emprunt bancaire, donc une quote-part sur laquelle le pays se positionnerait, c'est-à-dire un franc mobilisé par le promoteur, la part du pays serait à l'équivalent. En revanche, le logement social et le secteur primaire ont obtenu un cadre dérogatoire à cette condition de financement. Relisez le texte. J'entends ici que des contradictions. Que des contradictions. Le texte a bien positionné ces deux secteurs prioritaires et dans la logique voulue par le gouvernement. Donc ça ne remet pas en cause. Ça ne remet pas en cause. Je sais que l'architecture d'un texte de défiscalisation n'est pas aisée. Ça, je le reconnais. Je vais finir, s'il vous plaît. Écoutez, je vous invite à relire. Alors, dans ces conditions-là, sachez ce que vous votez. Je m'excuse. Sachez ce que vous votez. Les dispositions sont très claires. Le gouvernement a pris une disposition à rencontrer les banques. Et je disais tantôt, il faut mobiliser nos capacités. En aucun cas, les arguments présentés ici par l'opposition ne tiennent devant les dispositions adoptées. Je suis quelque part atterré d'avoir de telles présentations sur une méconnaissance des sujets. Voilà, Monsieur le Président. Maruru Maitei, enfin, je rappelle accessoirement que certains qui s'expriment ne font pas partie du Taouera historique. C'est Taouera évolutif, donc il ne faut pas trop les critiquer. Mais on a fini, on en a débattu. Mais ne soyons pas plus banquiers que les banquiers. Madame Sandra Lévy-Agami. Monsieur le ministre, là, c'est moi qui suis atterrée, parce que je participe aux commissions des finances, et la première fois que vous avez fait passer ce dossier, vous avez dit exactement le contraire de ce que vous venez de dire là. Et on peut ressortir le PV. Et maintenant, vous osez venir devant nous dire « Ah, ben finalement, on va aménager les choses, parce que vous voyez, il faut qu'on revoie certains points. » Non, mais il faut arrêter, là. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, ce que je voudrais dire, monsieur le ministre, vous avez certainement la majorité pour faire passer votre amendement. Vous le ferez passer comme vous voudrez, comme d'habitude. Ce que je retiens, moi, c'est qu'à la commission des finances, la première fois qu'on s'est vu, vous aviez dit, je ne vous inquiétez pas, j'ai rencontré les banquiers, ils sont tous d'accord, sauf qu'on avait en face de nous un représentant des banques qui nous a dit non, jamais, jamais. Alors moi, je pose la question aujourd'hui, puisque vous remettez en cause notre analyse des choses, la pertinence de ce qu'on dit, moi, je remets en cause la véracité de ce que vous racontez, puisque face à nous, on a bien eu l'information selon laquelle les banques n'avaient pas été informées de cette situation. Donc, on se demande qui ment dans l'histoire, monsieur le ministre. Je finirai là-dessus. Merci. Maruru Armel Merceron. Monsieur le ministre, ce n'est pas parce que vous êtes un peu plus haut que nous pour le moment et que vous avez une plus grosse voix que vous devez nous faire peur ou nous faire passer pour des idiotes qui ne comprennent pas les choses. Moi, je vais vous dire, vous avez répondu pas à ce que j'ai dit,
Mais vous avez répondu tout autre chose. J'ai jamais dit que le logement n'avait pas des conditions plus intéressantes en matière de défiscalisation que les autres secteurs. C'est vrai, c'est parce qu'il faut l'encourager. Moi, je vous ai interpellé sans vous critiquer, mais je vous ai posé une question en utilisant vos propres arguments, à savoir, pour remplir la condition selon laquelle le montant de l'incitation fiscale polynésienne doit être inférieur ou égal à la somme des autres apports. C'est l'article 918.1. Hors défiscalisation métropolitaine, le promoteur devra obtenir un meilleur accompagnement des banques. Autrement dit, quand on dit un meilleur accompagnement des banques, ça veut dire en réalité plus d'emprunts, plus de prêts des banques, accompagnement des banques. C'est bien ce que je disais. Face à ce renforcement de la participation des banques en crédit d'emprunt, c'est vous qui dites ça, il convient en parallèle, et c'est là votre virement, de maintenir le financement direct des établissements bancaires par le recours au crédit d'impôt. Donc c'est vous qui l'avez dit, et moi je vous ai interrogé là-dessus, je vous ai dit, est-ce que le fait de réduire la possibilité de défiscalisation, mais avec plus et de le réduire à cause de l'article 918.1 que vous avez vous-même fait adopter. Est-ce que ça ne risque pas de déséquilibrer l'économie du montage financier du projet parce que les promoteurs vont être amenés à apporter, certes, un apport propre qui n'est jamais très élevé, c'est vrai, la défiscalisation et ils devront compléter avec plus d'emprunts et c'est cette troisième condition sur laquelle je vous interrogeais pour savoir si ça ne risquait pas de bloquer certains projets parce que les prêts ne pourraient pas être aussi importants que nécessaire ou parce que le coût du crédit serait plus important dans l'équilibre du projet. Donc c'est une question que je pose, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Maruru, Jean-Christophe, oui. Oui, je voudrais apporter également quelques réflexions supplémentaires sur le sujet qui vient d'être évoqué par Armel Merceron. Vous parlez bien de logement social. Bien. Alors, la politique du logement social, jusqu'à présent, était d'apporter des financements publics importants. Parfois, ça a été jusqu'à 90%, 100% de financement public dans la réalisation des opérations de construction, y compris parfois d'acquisition de terrain. Et au fur et à mesure, dans le temps, cette intervention sous forme de subvention de l'État ou du pays, cette intervention est tombée, par exemple, dans le domaine du logement très social, jusqu'à 65% de financement. Bien. Ici, avec cette disposition et cette contrainte que vous mettez, vous continuez à appeler ça logement social? Quels sont, dès l'instant où vous contraignez les opérateurs à chercher des financements bancaires pour financer leurs opérations, lorsqu'on fait le calcul de sortie des loyers d'équilibre, ce serait bien que notre vice-président soit là, parce qu'il connaît bien ce sujet, les loyers, ils seront à combien pour le logement social? À 90 000 francs? À 110 000 francs pour du logement social? Donc, à moins que vous ayez une autre disposition qui permettrait d'aller au-delà, au-delà des 40%, plus 10%, parce que c'est un domaine prioritaire. Mais à 50%, vous n'aurez pas de loyers sociaux au travers de ces opérations. C'est ça qu'on essaye de vous expliquer. Alors, sur le reste, après, sur la commission d'agrément, très franchement, je veux bien croire les propos que vous avez tenus tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais alors, dans ce cas-là, vous n'avez jamais réfuté aucun dossier qui a été introduit est proposé au niveau de la commission d'agrément, et le gouvernement n'a jamais refusé aucun dossier qui aurait été soumis dès lors qu'on répond, évidemment, au cadre des textes qui ont été votés par l'Assemblée. Je ne peux pas le croire. Décidément, on a un problème de compréhension. Monsieur Buissou, le logement social reste éligible au crédit d'impôt à 65%. 65%. Secteur primaire, pareil, 65%. Les autres secteurs, Madame Merceron posait une bonne question. Difficulté des promoteurs à obtenir de l'emprunt.
Mais savez-vous, mon Dieu, que c'était le pays qui devenait la banque? Lorsqu'ils vont mobiliser 10 à 15% les banques en termes d'emprunt, le reste se fait où? Sur le pays, ça fait 15 ans que ça dure. On s'est épuisé en termes de finances publiques. C'est ça que j'ai voulu rectifier. Et dire aux promoteurs, si votre dossier est solide économiquement, pourquoi les banques ne vous accompagneraient pas? C'est ce que les banques ont compris. Sinon, c'est revenir dans l'ancien système. Le pays était devenu la banque des promoteurs. Il est là, Loïc. En revanche, le secteur logement social et secteur primaire continue à bénéficier de l'intervention du pays à 65%. Ça veut dire en conséquence que la mobilisation d'emprunts auprès des banques est réduite à due concurrence de la part du pays. Sur les autres projets, le pays n'irait qu'à 50% à la condition qu'eux-mêmes rassemblent 50%, soit par leur apport propre, soit par l'apport bancaire. Mais en aucun cas, le pays les abandonne. Mais on doit tenir compte de nos capacités financières. C'est là où il y a une incompréhension dans le texte qui a été voté. Relisez-le. Nous avons fait un choix des secteurs à prioriser. Logement social, secteur primaire. Nous maintenons les dispositions de 65%. En revanche, les autres secteurs, le maximum, c'est à due concurrence de ce qu'ils peuvent mobiliser. Combien de fois ai-je entendu les banques, moi-même qui siège à la Socredo, lorsque je pose la question, mais pourquoi vous n'accordez que 10 à 15% d'emprunt sur le projet? La réponse était des plus laconiques. Mais monsieur le ministre, c'est tout ce qu'ils nous ont demandé. Je dis forcément, ils viennent au guichet du pays d'abord. Ils viennent au guichet du pays. Je l'avais dit les semaines passées, inversant la situation, que le pays ne soit plus le premier guichet. La voilà la réalité. Quant à la définition du logement social, vous le connaissez peut-être beaucoup mieux que moi. Il y a bien des critères sur l'éligibilité des personnes et du coût de la construction. Dans la mesure où on maintient 65%, le taux maximum déjà accordé aujourd'hui, je ne remets pas en cause. Je ne remets pas en cause. Au contraire, je facilite l'obtention des crédits d'impôt dans ces situations difficiles d'entreprise, car les banques ne peuvent accorder que là. C'est plus facile à réaliser. Pour le promoteur de dire, eh bien, au moins je sais que les banques vont participer à mon projet par le crédit d'impôt, parce qu'elles ne peuvent pas se disperser. Là, voilà la réalité. C'est cela que nous avons voulu mettre en œuvre. Je n'ai jamais dit qu'on abandonnait les autres secteurs. J'exige une plus grande participation des banques dans le financement des autres secteurs. Et c'est là que la règle des 50%. 50%, voire un tiers, s'il y a Girardin. Vous aviez bien compris. On peut partager en trois. Le promoteur, sa propre part, l'emprunt bancaire, la part du pays et la Girardin. On arrive. Le message que j'ai voulu donner, c'est qu'à tout promoteur, avant de venir demander l'aide du pays, configurez vos dossiers sur les secteurs. Allez voir vos banquiers. Si le projet est viable, je vous accompagne. Il y en a assez de voir des projets au bout de 5 ans laissés sur le côté. C'est l'argent public qui est parti dedans. Sans aucun retour. Les banques l'ont bien compris. Ça va exiger effectivement une plus grande participation. Les banques ont aussi demandé aux promoteurs. Aujourd'hui, on pouvait monter un dossier de défiscalisation en n'apportant que 5% de fonds propres et en sollicitant les banques à 10%. Ensuite, c'est des fonds publics. Vous vous rendez compte? C'est cela que j'ai voulu changer, monsieur le président. Wani to tato ta ahiro te wharere, te tei man ono te mou wharemo ni rapa, mena whetara rato whanau rai whenua tarato ni, te nari rato arane rato, te vera te tei pahono rai traui ratana. Vous savez, en termes de défiscalisation, on a un système qui nous est unique. Dans d'autres modalités, certainement de participation, la logique voudrait qu'une entreprise puisse financer sa propre croissance. Bien sûr qu'au moment difficile. Mais la défiscalisation a en réalité créé une bulle économique qui aujourd'hui n'est plus de mise. Reprendre les anciennes dispositions, c'est continuer à épuiser les finances publiques. On a vu ce qui s'est passé dans les autres pays.
Donc il faut bien resserrer le clou. Je vais encore rappeler que tous les projets agréés ne seront pas en difficulté. Tous les projets, même si la levée de crédit d'impôt n'est pas finie, la RANUI ne verra aucune difficulté. Et cela, les banquiers ont bien compris que la période transitoire ne remettait pas en cause. Je vous demande de légiférer pour un avenir, que le pays ne soit plus le premier guichet de la défiscalisation. Maroro. Otitatato tau aparorani ete tumu prau te ma iti ratato ite mea eture fenua e ma iti tata ite heitato e ane ito tato pape prau. E ma iti tato e ne itra fatiti ai farora atat fatrehau namua. Watai mei tana namua, uhara mei ta oto namuri, fatura ite taimei tair amai. Te maiti ratato, nani e te maiti ratatai tei, te anirau e tō tātou papaiprau, ia whi mei tō tātou mui o. Madame Algoima. Monsieur Alpha Théari, absent procuration, Monsieur Jean-Christophe Buissou. Jean-Christophe Buissou pour Alpha Théari. Te maiti ra oe. Aurera aita. Te maiti ra oe aurera aita. Hare mua. Madame Big Sabrina, absent, procuration à Madame Tamara Bob Dupont, Tamara. Tamara Bob Dupont. Pour Madame Tamara Bob Dupont, pour Monsieur Buissot Jean-Christophe. Madame Brodien Rosine, absent. Madame Chavez Daphné, absent. Madame Cross Valentina. Madame Cross Valentina. Monsieur Jacques Hidrolé. Monsieur Flos Gaston, absent. Procuration Madame Sandra Léviagami. Madame Fribourg Joël, absent. Procuration Madame Inari Galnon. Monsieur Frich Edouard, absent. Procuration Madame Algoïma. Madame Galnon Minari. Pour. Monsieur Anderson Georges. Monsieur Anderson George. Monsieur Anderson George. Pour. Madame Irjana Nutea. Pour. Madame Iriti Teura. Madame Isale Farah. Absente pour Grèce. Madame Jennings Tétone Patricia. Madame Jennings Tétone Patricia. Monsieur Cauté Benoît. Absent pour Grèce. Madame Liliane Maritereg. Pour. Monsieur Comitini René. Pour. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamadou Tapo Victor, Vito, pour. Madame Anoutei Léviagami Sandra, absent. Madame Maraya Emma, absente. Monsieur Maraya Urateina, absent. Procuration Madame Iliano Parker, pour. Madame Maritragi Meruto Liliane, pour. Madame Matawa Leoni, pour. Monsieur Mayron Matawa, absent. Procuration à Monsieur Ruben Terematé, pour. Madame Mati Juliana. Madame Ersoro Armel. Madame Olivier Marie, absente pour Grèce, Madame Françoise Tama. Madame Opa Afouani. Madame Parker Eleanor. Monsieur Politique Inouï. Monsieur Rapoto Jean-Marius, absent pour Grèce, à Madame Justine Théoura. Madame Richton Monique, absente pour Grèce, Madame Maïna Sage. Abstention. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Monsieur Romataro Fernand, absent pour Grèce, Madame Juliana Mati. Madame Sage Maïna. Monsieur Gilles Philippe. Madame Tama Françoise. Pour. Madame Tani Thérèse. Pour. Monsieur Tonso Robert, absent. Monsieur Tchoutouroro, absent. Monsieur Tefari Rehiroiti. Pour. Monsieur Temeharo René, absent. Monsieur Terimati Ruben. Pour M. Teripa Yamita, absent. Madame Teruatea Sylviane, absent. Madame Tétonou Lana, absent. Pour Grèce, Madame Iriti Teura. Madame Teura Justine, pour M. Tongson Gaston, absent. Pour Grèce, Madame Armel Merceron. M. Touaou Ismaël, absent. Pour Grèce, M. Outia Damas. Madame Tichoubriar Catherine, absent. M. Outia Damas, pour Madame Béatrice Venodon, absent. Pour Grèce, M. Tekinou Ipollier. Abstention. Monsieur Venodon Clarence, absent pour Grèce, Monsieur Jacques Hidrolé. Oh.
chanter une voix courte. E aturani e te genei prauwhatiti e wharo matamua, toru ahuru maho e reo te whaari, ahuru maho e reo te whaea muhu o reno. Te aur awa mana te genei whatiti e wharo rā na te whatere rāhau. Te mea, watu at o mei te paipato I tāna whatiti e wharo rā, e maiti at o tātoi e te whatiti e wharo rā te paipato I, nari rā tātou, e? Te maiti ra tātou, te pīwhaho hiara I tō tātou I ua, non e te prau, Sandra Leviagami. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous rappeler la procédure qui oblige à faire voter individuellement l'amendement? Tinia, on a été très tout réfénoua. Ya tuai. Tinia, tu tout réfénoua. Te tātou a rautmo tout réfénoua, me maiti tātai te hia. Not me te tau I ra tātou I te très tout réfénoua. Ti o tātou I te veida. Tā ua ni rāia otou, tā pēa mau ane otou I tā otou whātiti e wharo rā, ore rā te tātarara otou. Te maitira tātou ni ei te genei prau. He horumai pēc prau I otou I mātou. Te maitira tātou ni ei te genei prau. Papai prau, hape me te noa. Te otou nane noa I tā pruhi pai te pēpēu. Tia Alfa te ari, absent pour Christian, M. Jean-Christophe Bissou, pour. Madame Big Sabrina. Absent pour Cressa, Madame Bic, Madame Tamara Bob-Dupont. Contre. Madame Bob-Dupont, Tamara, contre. Monsieur Bissou Jean-Christophe, pour. Madame Brodier-Rosine. Hein? Bon. Absent. Xavier Daphné, absent. Madame Cross-Valentina, contre. Madame. Hein? Contre. Contre. Monsieur Jacques Hydrolet. Contre. Monsieur Flos Gaston, absent pour Cressa, Madame Sandra Leviagami. Pour. Madame Fribourg-Jouel, absent pour Cressa, Madame Minari Galland. Contre. Monsieur Fritsch-Edouard, absent pour Cressa, Madame Algon-Emma. Pour. Madame Galland-Minari. Contre. Monsieur Anderson George, contre. Madame Michel Nounoutea, contre. Madame Iriti Teura, ah, elle est sortie. Madame Isa Lefara, absente. Procuration, Madame Patricia Jennings, c'est ton nom. Madame Jennings, c'est ton nom, Patricia. Contre. Monsieur Côté Benoît, absent. Procuration, Madame Marie Tereguay, contre. Monsieur Côté Moutini René, contre. Monsieur Lison Marcelin, absent. Monsieur Mamato Yotabo Victor, contre. Madame Anoutri Lévi Agami Sandra, pour. Madame Mareya Emma, absent. Monsieur Mareya Uratina, absent. Procuration à Madame Eleanor Parker, contre. Madame Marie-Thérogue Meiroto Liliane, contre. Madame Matawa Lioni, contre. Monsieur Matawa Meiron, absent. Procuration à Monsieur Térimaté Ruben, contre. Madame Mati Juliana, contre. Madame Armel Merceron. Madame Olivier Maris, absente. Pour Cressa, Madame Françoise Tama. Contre. Madame Opa Afouanik. Contre. Madame Parker Eleanor. Contre. Monsieur Paulette Kinoui. Pour. Monsieur Rapoteau Jean-Marius, absent. Pour Cressa, Madame Justine Théoura. Contre. Madame Richton Monique, absent. Pour Cressa, Madame Aïna Frage. Pour. Monsieur Rivita Frédéric, absent. Monsieur Romataroa Fernand, absent. Pour Cressa, Madame Chiliana Mati. Contre. Madame Sage Maïna, pour. Monsieur Chil Philippe, pour. Madame Tama Françoise, contre. Madame Thérèse Tani, contre. Monsieur Tonso Robert, absent. Monsieur Tchountou Roro, absent. Monsieur Tefariri Hiroiti, contre. Monsieur Temer René, absent. Monsieur Terimate Ruben, contre. Monsieur Teri Payamita, absent. Madame Teruata Sylviane, absent. Madame Tetonou Ilana, absente. Madame Tegura Justine, contre. Monsieur Tongson Gaston, absent pour Cressa, Madame Armel Merceron, pour. Monsieur Thor Ismaël, absent pour Cressa, Monsieur Outia Damas, contre. Madame Tichobuyer Catherine, absent. Monsieur Outia Damas, contre. Madame Béatrice Venodon, absent pour Cressa, Madame Monsieur Tekinu Paulier, pour. Monsieur Venodon Clarence, absent pour Cressa, Monsieur Jacques Hydrolet,
Contre. Donc s'il avait 31 voix contre. Et tout le monde a été fatigué à faire le tour de Sandra Livia Gamira ou Jean-Christophe Puissou, Toro Huru et Maho et Réo, Tipatoi, Ohuru Maho et Réo, Tifari. Ahuru Matoru Réo, Tifari, Toro Huru Maho et Tipatoi, Aitatien et Fatigué à faire le Manuia. Ou à tête à toi, il y a un peu de temps, Patrick. Oui, Président, je voulais profiter, bien entendu, de l'occasion. Il me semble que c'est peut-être la dernière fois, dans le cadre de cette mandature, que je suis appelé à venir vous voir. En tout cas, je voudrais remercier l'ensemble des élus, même si, par moments, des fois, les échanges ont été un peu vifs. J'ai, en tous les cas, apprécié de venir à chaque fois à l'Assemblée. Je crois que c'est un lieu de débat important, même si on n'est pas d'accord sur tout. J'ai quand même eu la chance d'avoir pu porter bon nombre de sujets qui, me semble-t-il, ont fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. C'est aussi important pour un ministre de savoir que sur certains points, sur certains sujets, il y a des possibilités de se retrouver. Et je voulais donc, au titre de la dernière session, vous adresser ce message. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup appris également, peut-être dans le sens de l'échange, même si des fois ça peut être tendu. Voilà, Monsieur le Président, donc je voulais remercier l'ensemble des élus représentés ici ce matin et vous-même dans la conduite de vos débats. Maru. Maru, te anine, ya tato, popo, tato, ito, tato, patrihal, pepatoi, popo, eino, eino, te mea, auto, Sandra Levy Agami. Merci, Monsieur le Président. C'est bien évidemment Pierre qu'on a applaudi. Hein. C'est pour Pierre, voilà. Non, c'était juste pour dire qu'on n'avait pas eu la même lecture du règlement intérieur par rapport au vote, puisque, Monsieur le Président, habituellement, ce qui est prévu, c'est qu'en matière d'amendement, nous votions tous à main levée. Par contre, après, on revenait sur la LP4 en question, et là, on votait individuellement. C'est là où on n'est pas d'accord sur votre lecture, et il me semble que la nôtre est la bonne. Maruru maitei, te harela tatu imua, e te rovela tatu i tatu tapura uipa numara mahuru piti tau ki ahuru e maturu, e nia i te whātite e wharura i tatu tapura fofa, e te anineia i to tatu monoprititeni, i hapapu mai oia, e hatu tumu oia e nari rai, ti auera. Iorana prititeni no tapura rai, nari rato ait mo te aet mo tuahine, no tapura rai, te ie tumu prou matrohi e tātou mi te rira hoa, pro te troara o te moteiti, ia meiri mai te prou no te maitira e tapura fofa, e hare hoa tātou ni te teituhoa no te wharawai te e tapura fofa. Roto te ie tapura hipata tātou e rawe nei, e rawe rei mo pua i oira e whatano tano ora, numera roto i tātou tapura fofa, mi tia hoa mo pua rāpi e tēnu atu, i te tei mō whaotira o te rawe he tiau whrani no te apapura i te tei whātorora a opua rata rātou roto tātou tāpura fofa. Te tumu ia i te ie mhana, timua tātou i te ie tāpura fofa wharawai no te ie mateiti tāpura fofa wharawai numera piti. Voilà, Monsieur le Président, je voulais juste dire en résumé que il est tout à fait normal qu'en cours d'exercice, on procède à des ajustements budgétaires. Et c'est l'occasion de ce collectif numéro 2 pour nous de faire le point sur la situation des besoins d'ajustement de certains services, autant en matière de postes budgétaires qu'en matière de besoins de financement de fonctionnement. Donc à côté de ça, il y a des confirmations de participation de financement de l'État que nous venons compléter dans le cadre de ce dispositif parce que les engagements de l'État nous sont arrivés après le vote du budget et bien entendu, après le vote du collectif numéro 1. Donc voilà ce que j'ai à dire, Monsieur le Président, sur ce collectif numéro 2. Maruru maitei, mono prititeni, te veranei, te afefei proit, monofa'i, aure monofa'i. Te nia tatui, te taubo parau rano, te ienei tumu parau, e te aninei au, te tia no te mana o te momutu, aure mana o. Te tia o te taho e rahu iratira, aure mana o. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Vice-président.
Quoi dire sur ce collectif, sinon que c'est un collectif, encore une fois, pour payer des factures, on l'a bien compris. Et on est un petit peu désabusé d'être convoqué pour un collectif comme celui-là. On aurait peut-être pu mettre tout ça dans le collectif numéro 1 dès le départ, enfin en tout cas une bonne partie. Et c'est un peu dommage de voir convoquer l'ensemble des élus pour des modifications qui sont relatives uniquement à des factures à payer avant les élections et durant la période électorale, qui ne permettra pas aux services d'assurer une certaine continuité du paiement de factures dès lors que le gouvernement sera dans l'indisponibilité de le faire. Donc voilà juste la remarque que nous voulions faire. Il n'y a rien de transcendantal dans ce collectif budgétaire, encore une fois. Et c'est bien quand même que vous essayez de payer les factures avant de partir. J'espère que vous ne nous avez pas caché, on nous a parlé de 9 milliards de factures impayées. J'espère qu'on ne trouvera pas ces 9 milliards dans les comptes. En tout cas, on compte sur votre bonne foi aujourd'hui pour tout nous dire. Et voilà, merci. Maruru, pour les trouver, il faudra gagner les élections. Atia Purinetia, Armel Merceron. Merci, Monsieur le Président. En pleine situation de marasme économique et alors que plus de 8000 personnes ont perdu leur emploi, que le RSPF bat des records d'effectifs, 71 000, et c'était fin décembre, et que notre économie meurt petit à petit, votre gouvernement semble s'apercevoir qu'il y a quelques difficultés à exécuter le budget dans la gestion courante de notre administration et dans le financement des actions publiques. Il est évident que pour notre part, au sein du groupe Atia Purinetia, nous espérions des mesures importantes en faveur du redressement de notre économie, en faveur des personnes en grande précarité sociale, en faveur des secteurs en crise. Ça a été dit, la lecture de ce collectif fait apparaître le vide sidéral d'un quelconque programme gouvernemental pour soutenir notre population et les entreprises du secteur privé. On a l'impression que vous êtes tétanisés. Alors que ça fait déjà 2 ans que vous êtes aux commandes du pays et qu'il vous reste encore quelques semaines. Et c'est un sentiment finalement d'échec qui transparaît dans ce collectif que vous avez qualifié de technique. On ne peut pas effectivement tromper et raconter des histoires, dire qu'un collectif permettrait d'injecter des milliards et des milliards que nous n'avons pas. Mais c'est bien là encore la preuve que les marges de manœuvre sont extrêmement réduites. Un collectif budgétaire doit permettre de réorienter les sommes disponibles en fonction des priorités. Or, au sein de ce collectif, il y a pas de mesures fortes, pas de transfert de crédit important pour mieux cibler, par exemple, les aides à l'emploi ou les aides sociales. Il y a quelques mois, le président Temaru avait annoncé la mise en place de l'allocation parent-foyer à caractère électoraliste et elle s'avère finalement une coquille bien vide. Le texte réglementaire n'a jamais été présenté. Et pourtant, le texte est en application depuis près de 3 mois maintenant, sans financement pérenne et sans base réglementaire. Les urgences de financement sont pourtant bien dans le secteur sanitaire et social. Et déjà au budget primitif 2013, nous vous avions alerté sur les gels et les suppressions de postes que vous envisagiez dans ce secteur. Vous n'avez pas écouté et finalement, à ce collectif, vous faites encore machine arrière pour venir réparer des erreurs et dégeler des postes vitaux dans le secteur social et de la santé. Et c'est justement peut-être le point, disons, sur lequel nous manquons d'informations. Donc je vous demande de nous dire très précisément quels sont ces 47 postes vitaux dans le secteur du social et de la santé, j'ai cru comprendre, de l'équipement. Parce que c'est sans doute la mesure qui aurait le plus d'impact. Et de là dépendra sûrement notre vote sur ce point.
On a par ailleurs l'impression que votre collectif est loin d'être bouclé. La preuve, on vient de nous distribuer encore en séance des amendements. Il y en avait déjà eu en commission, maintenant il y en a encore là. On a vraiment l'impression que si on siégeait encore demain, il y aurait encore d'autres amendements. Ce n'est pas tout à fait le sens qu'on doit donner à un collectif. Ainsi, à quelques semaines de la fin de la mandature de votre gouvernement, on apprend cette demande de validation de 16 postes de personnel supplémentaire de la direction de l'équipement, semble-t-il, et vous nous direz si c'est cela ou pas, pour des marins de la flottille administrative et pour un coût budgétaire supplémentaire de 38 millions. Nous voudrions savoir, le groupe Atia Polinetia voudrait savoir, les motivations qui ont poussé le gouvernement à renforcer comme ça en cours d'année, en urgence, l'effectif de la flottille administrative. Est-ce que l'on a une activité maritime accrue qui nécessite plus de marins? Combien y a-t-il aujourd'hui de personnel à la flottille et combien voyagent effectivement, naviguent effectivement? Quel est le programme des voyages? Mais surtout, ce qui nous interroge le plus, c'est que ces 16 postes de marins seraient financés par un prélèvement sur les carburants. Ça apparaît dans l'étude des articles et des chapitres. Il faut donc comprendre, en gros, qu'on remplace du carburant par des marins et que ces mêmes marins risquent de ne pas pouvoir naviguer faute de carburant. Voilà, donc il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Nous sommes perplexes sur ce sujet. Donc éclairez-nous. Donc on a le sentiment que vous ne vous attaquez pas au vrai problème du gouvernement et que vous avez d'autres soucis en tête. Je ne parle même pas de la campagne électorale, mais de ces voyages en terre new-yorkaise. Et donc nous nous abstiendrons sur ce projet de collectif budgétaire qui est bien vide, sans mesure d'urgence et surtout sans réelle réponse au problème de ce que j'appelle la vraie vie, pas celle de l'obscurantisme idéologique. Merci. Maru Maite, Armel Merceron, et mon nom est Toteta Puramui, Hirote Valeretiaouer. Aïtu, il y a un propos. Saura faro rai kara mo mo no hop ero e wi ro wi awe fa ya mu wa ne bene ere pa na awe pro pro ai tu ite o wi ti ro tu pouri o te pro o te feruir a burgita ani e na Chonima e parau tara parau I ana, e nenhe e parau e chonima te roto ke raorara. Nanara e parau ra tara parau no chonima. Tap oia, aita tara whaaturara ia choni, ia paraita, ia hiro, ia tewa, ia choti. E ura parau tara tauhin aro e parau. E on ohohonu ra e roto. E hawa ue hin aro ue parau I tera mo mono anot mea ui te pouru a tātou ere tātou no tēnei. Pe aui pe atau rōpū ni e iraro. Te tapura whaatiti e ifro rā, no te hi o rāia, nā whea e whaahupa mai tei, te moni e vaira, no te opere haurara tui te mō tuha, ti tauhia e raveru te teimo whaatiti e ifro rā. Iana au e hap iana. Iana tātou e hap I rātou. Te roa rā o te teime rātou I rove noa I kera mō peu, kera mō whaanho rā I te hoi tātou e parau rā tera mō parau. Tauia hin arora e whahamo no tātou, ia pai nā rida. Iana o te mea, te ora tātou, tiroto tātou, te tau o te purikita rā, e mohe a tātou I tā tātou hopo ia. Tā tātou hopo ia une rutu I te ia whare, te hi or aia, nā whea nā roto, I mō tumu parau atoa, e hamai tei, te ora rā o paraitama o Chonima. Iha te ora rā o tā rā mō tātai e noho renia. Iha nā tōni e hāpi I tōraro. Nā tōni a rā e hāpi nā whae e whātura tōraro.
Yat or a toraro en hana weno hia e taparuno e autano aitat oyatano e tarere no aitat oyatano e hopo yatara na tato pato chabir ayatato na fea yef aiti no te promo e te protia na fea e f atupu et f atupu ra narto yete e mo fan hor apurita e rove hia re tato te teme tato e f atiti e froe te tere a fo fout fenu I te hou whenua I whātere meit whenua, ai te oia, I te roa rā o te mateiti, e hātiti eifaro, e whānawai. Me te pō te weira hoi hou whenua, ti ore e nā rira apero mai, nā wai. Ai te pai tātou, pōri hia. Te rā te mana o tāhu ngāro e tū, mana o pahono noa, mana o whātiti eifaro. No te mea rotu I te tōmi te rotu, wohor ohia mai, te mō pahono rai te e mō wira. A inyara te mo tauit a api ta te whaatare hau mo nopretene e tu meira. Nana hoa ye e pahono mai. Tera nopretene. Ai te mono o hauatu, mono o atiti e furo. Te rafo yarai. Maroro mai te ai te anine ea I to tato mono pretitene ia pahono I te mo pe anira matamua me te pe te verat pahono rara. E maroro mai te te inaro tune eau no pahono rai te mana o no sondra Agami no te whaiteira I ana, tra numera tāna whaitihora. E Iwa Miria, e naopai tātou e numera teito te rira, no te mea no te awa e te nuare rutu te rima o te hapawho whaateau. I te e mhana o nane atua I te prau no te moni e waine rutu I tawhata. E te aura, mi te pe nuniu o I ana I te e mhana I te whaahau tra e Iwa Miria mi te rira hoa. Ere tra numera, tra tuho amoni, e tuho amoni ta tātou tua ta papanei, tui te parau no te tapura fofoa. Tuho amoni re whaohipahe mō mahana ato e taui no aona. I aona e mai fofoa aru tui tawhata e topa mai te ie, te ie tuho amoni tau e whaahitira o te erehi ara rutu I te awhata a te tata nana e tia au I te auwhaura I ta tātou mō hamawara. Pour répondre à Sandra Lévy-Agami, je disais entre autres que le chiffre de 9 milliards correspond en fait au montant des mandats bloqués en janvier auprès du payeur. Mais comme vous savez tous, la trésorerie évolue dans le temps. Et donc aujourd'hui, lorsque vous allez appeler le payeur, vous verrez qu'il n'y a plus 9 milliards de mandats en attente puisque nous avons reçu donc, de la trésorerie entre temps et que les mandats ont été bien entendu liquidés depuis. No te pahonora, te piti o te mana o noro tō mai I a Armel Merceron. E mautira tō rātou I a Taiwar a rutu troar a toru ahuru mataiti tā tātou e minei trawea no te tatarar a, no te pahonora a. E rutu I tumo opuar a o te tuhia I mua I tō tuaro, no rira te veira paha te teififi. E, nōna no te tapear a rutu I tōna roro. I tmo prou I prohi e tō tātou pretiteni, te nā ora tō tātou pretiteni, I hea tātou I aturi ahau e te tau I ahune, tā o tau I auraro rutu I troara a toru ahuru mataiti, ai tāwa ahai te rira huruho oa rutu I tō tātou whenua I te emhana. I te emhana, te tātou ara tmo whenua o te ao nei, a tāno atu I whenua tinto, ti rutu I te whiwhi I te pēa o te tere rafofa. Te aura, wo whiwhi whenua whrāni, wo whiwhi toa I a tātou. No te mea, wo I te tātou, te tuha a te au whrāni rutu I te parau o te aura rafofa o tō tātou whenua, mi te peu mai hi e te au whrāni I te pē o te aura rafofa e mai tohi e tātou. No rira tō tātou preti tēni hi nā roi, e imi tātou I trawea, I hapa I tra taamura e te whaharehi a rutu I troara o te tau, e riro mi te e tūru tā tātou e auraro nei te e mhana. No te mea mit peu tapea no tātou I tra huru arata I rā, I a whiwhi tiau whrāni e whiwhi tātou, whiwhi rātou, whiwhi tātou, noa tua, whātere rā e armai, whātere te e whenua. I hināro e tō tātou pretteni e huri taere te huru o te whahutura I tō tātou whenua. I e niu ahi ana, Nid mo tauhia e tapihuhia nei te pēo te maa, pēo te aurora adu mana atoa. Imi rā trawea, naruto I te whofaraya I te parauno whahotura I tō tātou whenua, in e te hotu tumu o tō tātou whenua. Te pēo te whāpu, pēo te whāmu animara,
Je disais en substance que Mme Armelle Merceron se plaint des 2 années d'exercice que nous avons eues. Je lui rappellerai seulement que sur ces 2 années, nous avons eu une seule année de plein exercice, parce que la première année de retour aux affaires du pays, nous avons un peu erré dans le désert d'avril à avril, mais heureusement qu'en avril, les choses se sont détendues et qu'à la faveur du changement de gouvernement en France, nous avons pu avoir des interlocuteurs qui nous ont permis d'ouvrir les moyens bancaires ainsi que les moyens institutionnels du gouvernement central pour venir en aide à notre pauvre petite collectivité. Rappelez-vous, lorsque le président du pays a évoqué devant nous le débat d'orientation budgétaire, les solutions qu'il envisageait faire entreprendre par la Polynésie pour évoluer vers un modèle économique beaucoup plus endogène, beaucoup plus autonome. Il nous a demandé, dans la suite de ce débat d'orientation budgétaire, de mettre en œuvre le dispositif budgétaire qui puisse nous permettre d'effectuer cette mutation. Et c'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, le premier exemple que je peux évoquer, c'est notamment l'inauguration du centre de recherche agronomique que nous avons effectué à Papara, réalisé à Papara avec le ministre de l'Agriculture. Et à côté de ça, tous les projets que nous voulons entreprendre, notamment pour ne citer que celui de l'aquaculture, à la faveur du développement du secteur primaire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus compter, baser notre économie sur cette économie de transfert, économie de comptoir que nous avons toujours eue depuis 30 ans, puisqu'aujourd'hui, la France très clairement nous fait dire qu'elle ne pourra plus suivre à la même hauteur qu'elle l'a fait depuis maintenant plus d'une trentaine d'années. Donc il va falloir que nous comptons sur nos propres ressources. Une des premières ressources, c'est bien entendu le tourisme. Mais pour développer ce tourisme, nous avons besoin d'avoir un ensemble de leviers entre les mains, notamment, par exemple, la délivrance des visas. Après 2 voyages du président du pays en France pour rencontrer les 2 ministres qui sont intéressés par cette compétence, à savoir le ministre des Relations extérieures et le ministre de l'Intérieur lui-même, nous attendons toujours le positionnement de l'État sur cette demande du pays, alors que nous savons que la seule niche touristique qui puisse désenclaver la situation du développement de la filière touristique du pays aujourd'hui, c'est celle du pays qui se porte bien, qui vient d'afficher un taux de croissance encore important, et puis qui fait un peu envier toutes les grandes nations du monde, c'est la Chine. Mais malheureusement, comme je viens de vous l'expliquer, pour qu'un visiteur chinois puisse venir chez nous, il lui faut attendre 3 mois pour traverser les péripéties des autorisations de visa qui sont nécessaires pour qu'il vienne ici. Alors voilà un exemple pour vous dire, parmi tant d'autres, qu'aujourd'hui, il faut véritablement opérer cette mutation économique. Et quel que soit le gouvernement en place, on n'y coupera pas. Ceux qui vont nous remplacer vont être confrontés à la même difficulté et pour résoudre la même équation, ils auront les mêmes réponses à apporter. Alors vous avez devant vous un petit collectif. Un petit collectif, c'est un collectif. C'est un document qui permet de modifier à la marge le document principal qui est le budget. Donc les grandes orientations économiques du pays sont précisés dans le budget, mais certainement pas dans un collectif. Nous venons juste modifier ces orientations pour les ajuster de manière beaucoup plus pragmatique aux réalités du moment, aux réalités de l'instant, aux réalités du jour. Article 1er. Les recettes ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2013 sont modifiées comme suit. Total du chapitre 970 en plus 17 327 235. En
en plus 422 178 et en moins 10 252 473. En plus 47 millions. Aruru mai te, mana ane itu tato irira, aure mana ane mai kira tato, wa mai kira wa mana, penei bahane riba aruru. En plus, 1,680,031,306. Aruru mai te, aure mana ane mai kira tato, wa mai kira wa mana, penei bahane riba aruru e mahoe. En plus, 669,553,092. Aruru mai te, armel mersero. Merci, Monsieur le Président. Je me pose une question sur les 300 millions qui viennent du FDA. On nous dit qu'on est en cours de procédure de clôture, enfin de fermeture de l'établissement, et que d'ores et déjà, on rapatrie, on retransfère au budget général 300 millions. C'est en juin que sera clôturé définitivement le compte. Alors, je ne comprends pas pourquoi, d'un côté, on a un versement de 300 millions, alors qu'il y a dans les dépenses, plus bas, un crédit qui va également au FDA. Donc, pourquoi est-ce que, d'un côté, on a 300 millions qui viennent au budget et à nouveau, on reverse les crédits au FDA? Hello. Mono pretitini aurera te fatere heuti auer. Jorana tatu pato aite imhana api, fari meite tapo ono te arufa. Effectivement, le FDA donc, a été fermé. Donc l'arrêté a été pris au mois de décembre et nous avons mis en place une cellule de liquidation. Donc le fonds de développement des archipels fermant, son actif, son patrimoine doit être reversé dans le patrimoine du pays. Et sur le budget restant, ça c'est un solde provisoire, nous travaillons avec le payeur pour effectivement mettre à plat toute la comptabilité du FDA. Donc ce solde provisoire qui restait donc dans le budget du FDA a été donc transféré dans les caisses du pays. Donc il y a des ajustements qui se feront avant le mois de juin, mais nous ne pouvions pas garder ce budget au sein de la cellule de liquidation puisque ce budget-là appartient à l'établissement. Donc il était normal pour respecter donc, l'arrêté de liquidation du fonds de développement qu'on reverse tout l'actif du FDA au patrimoine du pays. Donc les 300 millions est un solde provisoire en attendant que le payeur nous donne les chiffres exacts. Maruru, monoprétité Nikiaoué. Lorsqu'on a clôturé les comptes du FDA, on a mis en place un excédent de clôture qui est provisoire. Après, on a ouvert un compte de liquidation qui a démarré au 1er janvier 2013 jusqu'à la date de juin 2013. Au cours de cette période, il y a un budget de liquidation qui a été mis en place. Donc, on va attendre, quand la clôture du compte de liquidation sera faite, on aura définitivement le montant de clôture définitive du FDA. Aujourd'hui, on fait juste la clôture provisoire de la structure, en attendant que la clôture de sa liquidation soit définitivement effectuée. Maruru, te maikira tatu eite yene pene, poya maikira, wamana, inye eite taatuara. Total général en plus 2,414,333,811, en moins 10,252,473, soit un solde en plus 2,404,080,338. Les dépenses ordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2013 sont modifiées comme suit. Total du chapitre 962, en plus 259,957,800. Maruru, Sandra Lévy-Agami. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-Président, vous répondiez tantôt à mon questionnement à propos des 9 milliards qu'une partie des mandats était bloquée.
et que entre-temps, il y a des mandats qui ont pu passer. Je voulais savoir à combien vous estimez le montant des impayés à ce jour. Voilà, merci. Moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je voudrais que le ministre, je pense que c'est de la santé, mais il n'y a sans doute pas lui, donc le vice-président aussi, il n'y a pas que lui, le vice-président peut peut-être nous répondre. Je voudrais précisément que vous nous disiez quels sont les postes que vous dégelez dans ce sous-chapitre 962.02, pour un total donc de 259 957 000. Et pour la santé, d'une part, en nous disant de quel type de poste il s'agit, pour les pourvoir à quel endroit, et pour, je voudrais également avoir la réponse sur les 16 postes de la flottille. Pourquoi abonder cette ligne pour 16 postes de la flottille? Allora, Maite, buon pretitenite a voi. Allora, te pretiteni. À la date de ce jour, chez le payeur, il y a 2,356,000,000 de francs de mandats en instance, dont 1,604,000,000 en fonctionnement et 752,000,000 en investissement. Donc voilà, vous voyez, en janvier, c'était 9 milliards. Aujourd'hui, on est à 2 milliards. Donc au fur et à mesure que les recettes rentrent, le comptable liquide. Donc à la date d'aujourd'hui, on est à 2 milliards 356 millions de francs. Ensuite, concernant les postes budgétaires, nous avons effectivement, je vous ai dit, nous sommes en période d'ajustement. On a bien entendu vos interventions lors du budget déjà, et ensuite lors du collectif. Et donc nous avons demandé aux services d'essayer de faire remonter leurs besoins en mettant en place ce qu'il faut pour que le contrôle de ces besoins puisse être effectué de manière assez pointue et pour nous permettre ensuite de n'en garder que l'essentiel. Et que ce qui touche à la sécurité est à la priorité. Alors, s'agissant notamment des postes de la santé, il y a 20 postes. Il y a 20 postes sur l'ensemble des postes dégelés. Et ces postes intéressent principalement des sages-femmes, des médecins, voilà, et quelques infirmiers et des auxiliaires de soins. Voilà, en gros, comment se présentent les besoins qui ont été exprimés par les différents services qui relèvent du ministère de la Santé pour nous permettre d'en extraire les 20 postes essentiels à la bonne continuation du service public dans ces services et les présenter devant vous pour qu'on puisse, dès demain, dès la publication donc, du collectif, mettre en œuvre les procédures qu'il faut pour occuper ces postes. Ensuite, s'agissant des postes qui relèvent de l'équipement, il n'y a pas de flottille administrative. En fait, les postes de l'équipement représentent 5 postes, les 16 postes d'abord. Au niveau de l'équipement, il n'y a que 16 postes qui sont intéressés par l'équipement. Et ça représente donc 5 postes d'ingénieurs, donc des postes de catégorie A, 4 postes de technicien de catégorie B, plus un poste de rédacteur. Ensuite, 3 postes d'adjoint administratif de catégorie C et 2 postes d'agent technique de catégorie D. C'est essentiellement des postes destinés à essayer de meubler un peu la direction de l'équipement parce qu'aujourd'hui, nous avons lancé nos opérations et que comme l'EAC est en diminution de régime, en réduction de régime, donc on préfère faire les contrôles et puis le suivi des travaux par nos propres services administratifs, on revient à la situation hantée. Avant, on avait dépourvu les services administratifs pour mettre en place des satellites, et c'était ces satellites qui faisaient le travail des services administratifs.
Lorsque le plan de redressement est passé, on a bien compris qu'on redemandait de réactiver les services administratifs pour venir compenser la fermeture des satellites. Donc aujourd'hui, l'EAC n'a plus l'efficience que l'EAC avait à l'époque, ou que l'EAD avait à l'époque. Donc on demande aux services de se reposer sur leurs propres épaules. Et c'est la direction de l'équipement maintenant qui prend en main le contrôle et le suivi de l'ensemble des travaux de génie civil. Et donc, le corollaire, c'est bien entendu de demander au pays de pourvoir en besoin donc de technicité l'ensemble de ces cellules. Donc voilà en gros ce que représentent les 16 postes de la DEQ dans le cadre du dégel des postes demandés. Maruru maitei, te maitira tatoili e te ienei pene, hoi a maitir a, ua mana, pene iwa hanere un oru e matoru. Non, non, abstention. E fia, te fa e amhu ure, a fa itrimenia pour les abstentions, e piti, e toru, e maha, ahuru ma piti. Toru ahuru e ma piti o te fa ari, ahuru ma piti o te fa e amuhuno. Pene iwa hanere un oru matoru. En plus, 93 275 343. En plus, 2 921 756. En plus, 91 680 673. En plus, 3 217 285. En plus, 19 529 679. Je voudrais profiter de cette occasion pour demander à Monsieur le ministre de la Santé sur les difficultés d'ouverture du centre de dialyse de l'hôpital de Outouroua. Puisqu'apparemment, le projet pour sa construction avait été déprogrammé du contrat de projet, je ne sais plus d'ailleurs quand, en 2011. Et là, la construction est aboutie, apparemment pour une gestion par l'association Apurade, et qui ne pourrait pas très rapidement ouvrir. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire le point? Est-ce que là, dans ce chapitre qui vous concerne, il y a quelque chose qui est prévu pour l'ouverture de ce centre de dialyse? Deuxième question, Monsieur le Président, si vous voulez bien. C'est par rapport au démarrage de la télémédecine. Donc, si j'ai bien compris dans le rapport de présentation, ce serait pour qu'il y ait des appels, je ne sais pas trop quoi. C'est quoi exactement ce qui est prévu pour le démarrage de la télémédecine? Apparemment, ce serait ce qui est concerné par ce chapitre. Merci. Alors, vous m'avez fait un Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, Yorana. Concernant le centre de dialyse à Rayetea, c'est presque fini. Le problème, c'était entre la prise en charge donc, de nos malades et donc, qui se situe donc, entre la PURAT et la CPS. On a eu une réunion avant-hier. On s'est mis d'accord que, quelle que soit la situation, soit c'est le pays qui prend en charge s'il y a un surplus à prendre en charge, mais il faudra à tout prix que ça soit ouvert au 1er juillet. C'est ce qu'on avait décidé avec justement l'association Apurade. Parce qu'on ne peut pas se permettre de ne pas avoir ce centre qui doit s'ouvrir bientôt, parce que tous les centres démondialistes de trading sont surchargés. Donc, il faut à tout prix s'ouvrir ce centre. La solution, on l'a trouvée, donc, c'est s'il faut que le pays prenne en charge, le pays prendra en charge, je crois, c'est 50 millions. Non. Mais ce sera au niveau de la santé, ce sera au niveau du budget de la santé que ça va être rebasculé là-dessus. Pour la télémédecine,
la télémédecine ne justifie l'ouverture d'abord du centre 15. Hein, bon, c'est en passe d'être ouvert. Et donc, la télémédecine va surtout fonctionner pour les îles, hein, pour les îles, surtout les Tuamotu et les Australes. Et donc, il faut configurer le centre 15 pour pouvoir justement faire notamment, dans un premier temps, de la téléconsultation, hein, qui permettait donc des médecins de Papeete de rentrer en contact surtout avec nos infirmiers, éventuellement avec les agents de santé dans les îles pour pouvoir prendre en charge nos malades. C'est surtout dans ce cas-là qu'on va mettre en place la télémédecine, avant de mettre en place tout ce qui touche à la télémédecine concernant l'expertise ou le contrôle des appareils à distance. Mais c'est surtout la téléconsultation qu'il faudra mettre en place très rapidement. Il faut donc que le centre 15 puisse recevoir. Bon, on a visité il y a 15 jours, on sait où sera la télémédecine, mais par contre, il y a le centre de régulation qu'il faudra mettre dans le centre 15, et puis aussi le centre médical des îles. Ce ne sera pas uniquement simplement le centre médical des Tuamotu, ce sera des îles qui regrouperaient surtout les deux archipels qui n'ont pas de médecin occasionnellement, hein, c'est-à-dire les Australes et les Tuamotu. Hein. Donc, c'est ces centres-là qu'il faudra mettre en place rapidement. Et donc, il faut donc qu'on transfère officiellement le centre 15 à la direction de la santé. Maruru maite, te maitira tato, hoea maitira, wamana, penei vahanere hitu ohurue mahoe. En plus, 5 millions, en moins, 8,857,705. Maruru maite, wafatahi amaitre te praufatiki e faror a numara hoe. Oui, Monsieur le Président, c'est un amendement qui modifie l'article 2 du présent projet de délibération et qui modifie cet article comme suit. Total chapitre 971, en plus 5 millions. Et en moins 52,989,905 francs. S'agissant d'un transfert de crédit, le solde des dépenses ordinaires est inchangé. Sur l'amendement, en remanant, Oahuru, Wamana, Te Humira Tatu in Eite Pene, Hanere Hitwuru Mahoe, Te Hororo, et Panorotia et Malgo. Maru et Pertini. Non, sur l'amendement, bon, qu'on a voté, mais il n'y a pas de problème. Mais enfin, c'est la preuve que la manière dont vous avez organisé et géré le budget, c'est la conséquence des coupes budgétaires que vous alliez effectuer hein, au fur et à mesure, hein, des coupes budgétaires aveugles. Mais sinon, je voulais, par rapport à M. le ministre de la Santé, bien comprendre ce qu'il a déclaré par rapport à ce centre de dialyse. Parce que c'est très important parce que ça évoque beaucoup d'inquiétudes hein, chez nos malades des îles. Alors, si j'ai bien compris, le coût de fonctionnement de ce centre serait à 50 millions, aurait été évalué à 50 millions. Et sur ce coût-là, la CPS intervient ou refuse d'intervenir ou est-ce que c'est uniquement le pays qui doit prendre en charge? Et si c'était le cas par le pays, est-ce que je vois rien d'inscrit justement dans ce collectif numéro 2? Parce que les paroles, ça s'envole, Monsieur le ministre. Est-ce que cette association va pouvoir véritablement fonctionner? Maruru, tiniatato iti penei vahanere hitu ohurue mahoe, Arnel Merceron. Merci. Je voudrais que l'on nous dise ce que représente ce transfert de crédit à des associations et organismes de droit privé de 5 millions, en particulier, sachant que la CCBF a reçu et devrait examiner le 2 avril
des subventions, notamment qui arrivent comme ça en toute urgence, à quelques semaines des élections, pour l'association sportive Tefana. Ça paraît bizarre que comme ça... Non, je suis désolée, deux subventions, ce sont les seules. Pourquoi ça vient au dernier moment, alors que là, on est en train de, à nouveau, faire un transfert de crédit? Quelle est l'urgence? Mon président est Yahweh. Alors, je ne sais pas ce que la CCB vient faire dans le débat d'aujourd'hui, mais pour l'heure, il s'agit d'un ajustement qui est lié à un protocole que la DEC a passé avec donc les transports, à la flottille plutôt, puisque le pays prend en charge le transport des élèves, vous le savez tous, pour les rapatrier dans leurs îles, et quand l'école commence, on les prend pour les ramener dans d'autres îles où se trouvent les écoles. Et donc, il y a un volant de financement qui manquait, et on nous a demandé de rétablir ce financement dans le cadre du collectif. Oui, Président. En fait, la CPS, contrairement à tous les autres établissements, avait baissé pour tout le monde 5%, sauf pour la Purade. Et de ce fait, la Purade dit, ben, si vous nous baissez nos prestations de 10%, on ne pourra pas prendre en charge le centre de Outourouan. À notre réunion, on s'est mis d'accord que la CPS acceptait de revenir à 5% et de ne pas pénaliser la Purade à hauteur de 10%. Voilà. Et ce que je disais, pour la participation du pays, au cas où il y aurait encore un manque, parce qu'il faut à tout prix ouvrir ce centre-là autour. Voilà. Maruru, te mai tira tatoe ni eite pene iwa hanere hitu ahuru e maho e o tatoe wha atike i wharo. Koe a mai tira a, wamana pene iwa hanere hitu ahuru e mamaha. En plus, 66,646,527. Maruru mai te, aore mana oi reira, te mai tira tato, koe a mai tira a wamana, te pene iwa hanere hitu ahuru e mamaha. En plus, 7,760,000 et en moins, 36,927,861. Te venei te tei prauwhatiti e wharora numara piti, e te aninei au tō tātou monopretiteni a tei omei te reira. Oui, il s'agit donc de modifier l'article 2 du projet de délibération, et notamment au chapitre 975, total chapitre 975, au moins 14,964,339 francs. S'agissant d'un transfert de crédit, le solde des dépenses ordinaires est inchangé. Maruru, te tau oparone tato, aure man an, te mai tira tato, ni eite genei fatiti e faror a, oe a mai tira ua mana, e ni eite pene o te fatiti e farohia, oe a mai tira ua mana. Pene iwa hanere hitu ahuru e maona. En plus, 71,500,000 et en moins 5,000,000. Te vera anei te anirai e armel mersuron. Oui, l'article 672, si je ne me trompe pas, est relatif au paiement de 40,500,000 au CUX pour 2012. Donc, c'est la première question. Pourquoi le CUX est-il payé que en 2013 pour 2012? Donc, comment fonctionne-t-il? Ça rejoint l'amendement précédent pour payer des factures impayé de 2012 pour le transport scolaire. On a vraiment l'impression qu'on fonctionne en grande difficulté et qu'on met les organismes en grande difficulté. Comment le CUC fonctionne quand il ne reçoit pas pratiquement 50%, si je ne me trompe pas, de son fonctionnement venant du pays et qu'il le reçoit seulement en 2013? Ça, c'est ma première question. Et
Je reviens au fonds de développement des archipels, parce que franchement, je n'ai pas compris vos explications entre un compte de clôture, un compte de liquidation. Je comprends que l'opération consiste aujourd'hui à comptablement clarifier les comptes du FDA, mais pourquoi d'un côté on a transféré du FDA au budget général 300 millions, on l'a vu plus haut, et que là, par contre, on est en train de reverser du budget général dans le même collectif 21 millions du budget général au FDA. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien ? Pas de lien. J'imagine que comptablement, on ne doit pas pouvoir faire la compensation. Je voudrais juste que vous nous expliquiez concrètement pourquoi on reverse 21 millions alors qu'on vient de verser 300 millions. Voilà, il y a deux questions. Maruru et Malgon. Merci. Ma question concerne également le FDA. Dans l'actuel collectif numéro 2, il est proposé donc 21 millions pour finaliser les opérations du FDA, alors que dans le cadre du collectif numéro 1, le budget du le pays a reçu un versement de 268 millions du compte spécial d'aide aux victimes, hein, pour aussi solder les opérations du FDA. Alors, pourquoi vous aviez mal évalué lors du collectif numéro 1 pour que vous ayez encore besoin d'un supplément de 21 millions? Merci, j'aimerais bien comprendre. Maruru, nenea neha marmaroma, fatrihel kiawe. Maruru no te na mouani rata uto. Effectivement, lorsque le gouvernement avait pris l'arrêté donc, de fermeture de l'établissement Fonds de développement des archipels, donc à compter du 1er janvier, cette structure, l'établissement n'existe plus. Donc son budget restant, son actif, a été automatiquement transféré dans le patrimoine du pays, notamment ces 300 millions. Cependant, pour faire une fermeture propre, donc procéder à une liquidation dans les règles de l'art, si on peut le dire, il a été mis en place une cellule de liquidation. Donc cette cellule de liquidation ne peut pas utiliser le budget restant de l'établissement qui n'existe plus. Donc nous avons voté au BP 2013 donc un budget de 80 millions pour donc procéder aux opérations de liquidation qui doivent s'achever au plus tard en juin 2013. Cependant, lors de l'intégration des agents du FDA au sein de l'OPH, nous avons reçu donc une interdiction de l'inspection du travail d'envoyer au 1er janvier, au 2 janvier 2013, 13 représentants du personnel. L'inspection du travail nous a obligés à maintenir donc ces 13 agents représentants du personnel au sein de la cellule de liquidation, chose qui n'avait pas été prévue dans le budget de liquidation. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous demandons donc un complément justement pour assurer les salaires de ces 13 agents, en attendant que l'inspection du travail nous autorise à envoyer, à intégrer ces agents au sein de l'OPH, chose qui devra se faire très très bientôt, au mois d'avril, d'après l'inspection du travail. Voilà, donc, c'est pour ça qu'on demande un budget supplémentaire pour assurer donc les salaires de ces 13 agents supplémentaires qu'on nous a obligés de garder au sein de la cellule de liquidation qui était prévu avec 8 agents, et on se retrouve avec 21 agents quand même. Donc nous avons fonctionné avec ce budget de 80 millions depuis janvier, mais aujourd'hui il nous est très très difficile de pouvoir continuer à assurer le salaire de 13 agents supplémentaires au sein de cette cellule. Voilà les explications. Monsieur le Président, concernant les 268 millions, lors du programme OLI, au lendemain donc, du sinistre, le FDA a dû avancer sur sa trésorerie une certaine somme d'argent pour pouvoir venir en aide à nos concitoyens des îles australes. Cette opération OLI devait être financée par le budget du CAVC.
lors de la fermeture du FDA, nous avons transféré 34 kits qui ont été déjà payés, financés, mais nous n'avions pas les moyens de les mettre en œuvre. Et les 268 millions sont considérés comme un remboursement du budget CAVC au FDA pour la mise en œuvre de ces 34 kits. Cependant, le FDA n'existant plus, il ne nous est pas possible d'intégrer ce budget dans le budget de la cellule de liquidation. Et comme il a été prévu que la mise en œuvre de ces 34 kits devait être assurée par l'OPH, donc ces 268 millions doivent être transférés à l'OPH pour construire ces 34 kits. C'est l'explication, Madame la représentante. Merci. Maruru, monopréditeni. Voilà, oui. Merci, Monsieur le Président. Alors, peut-être pour le complet éclairage de nos représentants par rapport aux 21 millions inscrits au FDA, donc il y a effectivement 5 millions qui représentent les rémunérations liées à la liquidation. Et puis, il y a 16 millions qui représentent donc le règlement des frais liés à un contentieux avec Pacific Jet que le FDA a perdu. Donc, 16 plus 5, ça fait 21 millions. Pour en revenir aux 40 500 000 francs relatifs au CUX, les crédits ont été effectivement inscrits en 2012 et nous avons essayé par tous les moyens de pouvoir payer en 2012 alors qu'on avait l'argent, ouais, tout ce qu'il fallait. Et on est rentré dans une bataille d'interprétation juridique avec le CED, qui a fait que cette bataille a abouti après les délais de clôture de l'exercice 2012 en fonctionnement. Et lorsqu'enfin l'autorité qui gère le CED a reconnu qu'effectivement l'interprétation que nous avons donnée sur la capacité du pays à pouvoir payer en fonctionnement des structures communales, elle a enfin cédé. Mais malheureusement, la lettre, nous l'avons reçue après la clôture des opérations de fonctionnement. Donc, résultat, on a été obligé de reporter la charge sur 2013 et c'est la raison de l'inscription budgétaire que nous proposons au collectif. Poprvé o ja i rutite je prvo te patura i tamo u tu afore to tiare a te pa i te ofenu i ohipano e i amoita na hopoia te vera ho imunita te ofrani i mani mai pili o horu ma o no miria a te rae fa ohipano e he tatou no oska te maru tiawe tau i whaaro i na poro no te mea mehare ua puri ki te i na poro no te teira oro o utu afore ai tui hare ina pōra. Hi o turu o te awhatate ata, no reo hin aro e ui te rau ira ia oe mo nopare tene, mo whaatare hau ato, te rā mau anei hoa, no tu mea, kia au ite, rutoi te mo ohupa tātato i rove nei, une ere te rā. Te riri rā, ua prou o ia te rā prou, i rutoi te awhata, i mua i te ero te tātō rā. Tēnei ti hopea rā i tāna orero rā, e ui ui rā hi a te mono nā rutu SMS, he tu ohoru mā pēi ngei kānere o tō tau anu nā tī mātē te iana, te tia turi waha. Te rea te riri, ti tau ia tātou e tata iwa i kia rā mōparo, nori au e tu i te rāwira. O tano ane o ia i nā pōra, te parau rā e tātou te hape, tātou e te hape, ini ei te parau o te contract proje, no te patu rā e te maunho rā, ai te pai tātou i wha ohipa, no te mea tau i te, tau i te te hauwhāni te ore horoa me te emhānei tāna tuhua. I nā pōra te eurei o hawarei e uia. Mana o whātiti eifuro no, tau hinaro e tū, mua i tatou pātoa. Ai te riri rā, whātiti eifuro no, te rohoi arei. Maruru mai tei, aoreo i mata i tei tei ene uhupa i nā pōra. Tini au i te taua arora, ere? Whāro tātu i te rahitu ahuru māmaha, ore rahitu ahuru e māpā, mea tano i e whaitea toa e whea tāta. Me te pēwe hoa e ahuru tātā, nene hare ni eitra whaito hi tu ahuru e mapa, ere? Hanere iwa ahuru mātoru tautini tātā o te tapo ahia te o anot maiti. Whātano pa ia tātou i reira, e ha te aura o te hi tu ahuru e mapa. Tō umana o nā buisu mai tā niuniu, nā rato i tā niuniu no te tururai tō rato tātā. Te o tō umana o,
Monsieur le Président, très rapidement, le contrat de projet est une aventure qui a été menée entre le pays et l'État depuis maintenant plusieurs années. Son fonctionnement est simple. Le pays apporte sa contribution, l'État apporte sa contribution. Pour permettre au pays d'apporter sa contribution, dans les conditions économiques que nous connaissons, nous recourons au procédé des crédits d'emprunt. Donc nous allons nous financer auprès d'une banque. La banque par excellence qui nous finançait normalement était la banque de Dexia. Aujourd'hui, elle a fermé ses portes parce qu'elle s'est retrouvée au même rang que toutes les banques qui ont fait faillite. Résultat, il ne nous restait plus que l'AFD. En 2011, lorsque nous sommes arrivés aux affaires du pays, nous avons été voir l'AFD pour nous permettre d'obtenir un crédit d'emprunt pour 2011. Ils nous ont refusé l'accès au crédit d'emprunt. Et donc, nous avons expliqué à l'État que l'économie du pays, si le pays n'accédait pas à cet emprunt-là, allait être complètement atone, mise en panne, parce que les entreprises viennent se financer au guichet du pays à travers la commande publique. Et le fait que le pays ne puisse pas apporter sa contribution empêche, bien entendu, l'État d'apporter la sienne, parce que c'est la règle du contrat de projet. Le pays fait 50%, l'État fait 50%. Le pays ne peut pas faire 50%, l'État n'apporte pas ses 50%.
Donc nous avons imaginé que peut-être que c'était une stratégie politique de l'État de l'époque pour empêcher le pays, du moins le gouvernement du pays, de pouvoir apporter les solutions au redémarrage économique ou bien du moins au soutien de l'activité économique. Et quand nous avons vu que manifestement l'État était retourné contre nous et ne voulait absolument pas nous permettre d'obtenir nos crédits d'emprunt, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés à la CPS pour justement essayer de sensibiliser tous ces chefs d'entreprise qui devaient être les premiers prioritairement bénéficiaires de ces crédits d'emprunt, en leur disant « l'État ne nous permettons pas d'accéder au guichet de la Banque d'État, est-ce que vous, vous nous permettez d'accéder au guichet de la CPS pour emprunter les 10 milliards ?» Juridiquement, c'était une opération qui tenait la route parce que le pays a déjà, par le passé, emprunté à la CPS. Nous avons reçu donc une fin de non-recevoir de la part du CA de la CPS, donc nous n'avons pas fait d'emprunt en 2011. Donc c'est tout à fait évident que la situation économique du pays en 2011 a commencé à s'enrayer. En 2012, nous avons perdu pratiquement 4 mois entre janvier et avril 2012 pour justement permettre de continuer de maintenir une activité économique dans ce pays. Et ce n'est qu'en avril 2012, à la faveur du changement politique qu'il y a eu en France, que nous avons pu obtenir l'ouverture à nouveau du guichet, donc de la Banque d'État. Et lorsque nous avons obtenu le prêt de la Banque d'État, je pense qu'à ce moment-là, l'État qui, les nouveaux hommes de l'État qui ont pris en main les affaires de la nation se sont rendus compte de la situation des finances publiques qui était exécrable au niveau national et se sont rendus compte que leur capacité à pouvoir financer en volume constant le contrat de projet ne pouvait plus être à la même dimension que ce qui avait été envisagé à l'époque. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes avec l'État dans un partenariat de cohésion, de financement. Nous apportons notre contribution à du pourcentage et l'État, en fonction des autorisations d'engagement qu'ils peuvent délivrer, viennent compléter le dispositif de financement. C'est la manière dans laquelle nous avançons aujourd'hui avec l'État. Alors, lorsque le président d'un parti politique qui semblerait a fait une apparition hier soir au plateau de la télévision, il a effectivement lancé, comme à son habitude, un certain nombre de choses. Mais comme je le disais tantôt en réo, il y a la politique du mensonge et la politique de la vérité. Donc nous qui connaissons, nous sommes les représentants du pays, on peut dispenser le spectateur qui n'a pas la connaissance de notre connaissance de se tromper et d'accepter ce qu'on lui dit, mais par contre vous devez pratiquer la politique de la vérité et donc dire à ce mentor qui est le vôtre d'arrêter d'aller raconter n'importe quoi au plateau de télévision. Maruru, te mai tira tātou, inei te ienei pene, toru ohuru e maho e reo i whaari, ahuru mapiti o te wha ea muhu ore nuo. Pene iwa hanere, hitu, iwa ahuru. En plus, 1,688,678,583. Maruru mai te ei, tinia tātou i te ienei pene. Tinia tātou i te ienei pene. Te mai tira tātou. Hoa mai tira wamana. Pene iwa hanere iwa ahuru e mahoe. Est-ce qu'on peut intervenir, Monsieur le Président? Est-ce qu'on a le droit de s'exprimer dans cet hémicycle? Monsieur le Président, je demande la parole. Alors, en plus, 144,698,258. Je demande la parole. Tiawera. Merci. Je ne crois pas que, Monsieur le Président, notre hémicycle soit le lieu adéquat pour répondre à une intervention programmée
sur une chaîne de télévision manifestement fortement regardée hier soir. Moi-même, je n'ai pas eu le plaisir de regarder comme vous la télévision, puisque nous étions sur le terrain, et d'avoir dans notre hémicycle, je dirais, 15 minutes de consacrer par le vice-président de gouvernement pour répondre aux assertions qui ont été faites hier soir par le président Gaston Flosse. Alors, c'est un mauvais procès que vous lui faites. C'est un très mauvais procès que vous lui faites parce qu'il n'a pas été en responsabilité depuis 2008, mis à part peut-être un petit mois où il était effectivement sur le banc du gouvernement. Un mois. Et je ne pense pas que ce soit Gaston Flosse qui soit le responsable de la situation de crise que connaît notre pays, de la situation catastrophique dans pratiquement tous les domaines de notre pays. Vous dites que lorsque vous avez repris le pouvoir en 2011, vous vous êtes aperçu de la situation de notre pays. Vous ne l'aviez pas vu avant. Lorsque vous dites que M. Hollande, au moment où il a été élu, n'avait pas vu quelle était la situation de crise économique de la France, pourquoi il s'est présenté aux élections présidentielles alors? Donc, vous ne pouvez pas tirer profit de cette situation et mettre en avant vos propres turpitudes. Lorsque vous avez accepté de prendre le pouvoir, vous acceptiez aussi de régler les problèmes des Polynésiens et non pas de venir pleurnicher, comme on le voit ce matin, venir pleurnicher ici à l'Assemblée pour nous dire que vous avez été incapable de trouver des solutions réelles sur la problématique de notre société. Et de nous dire que c'est le problème et de ceux qui étaient auparavant sur votre banc, et de ceux qui étaient au niveau de Paris, et de ceux qui sont venus ensuite avec François Hollande, qui n'étaient pas tout à fait informés sur les procédures, pour nous dire aujourd'hui qu'en réalité, votre bilan est mauvais. Alors, lorsque vous irez sur RFO, hein, votre président ira sur RFO, ben, il devra dire la vérité, comme vous le dites, dire la vérité à la population, et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement en cessation de paiement. Et ça, vous ne le dites pas, la vérité. Malheureux. N'est-ce pas ? Malheureux, Jean-Christophe. Non, monsieur le Président, on peut quand même intervenir, puisqu'ils ont lancé des discussions sur ce sujet. Alors, ne renvoyez pas la balle sur l'opposition et ni sur monsieur Gaston Flosse. Malheureux, maïté, été maïté, ratatou, n'y a été yéné, péné, et va hanéré, va roué, ma hoé, hoé, a maïté, a ou mana, t'es tato, a, ou t'es numéro, ou t'es taoui, hier. Terroro. Alors, total général en plus, 2 462 071 243, en moins 57 989 905, soit un solde en plus de 2 404 080 338. Maruru, monopréditeni, tia oera. Voilà, loin de moi l'idée de faire un procès à votre mentor. C'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup et que nous respectons beaucoup, bien que nos divergences politiques soient bien affirmées. Mais par contre, me semble-t-il, hein, nous étions tous là assis les uns à côté des autres au moment où le précédent gouvernement officiait au même banc que le gouvernement aujourd'hui. Et je me rappelle que le vice-président, c'était qui ? C'était pas Édouard Fritsch? Non, mais c'est pour vous dire. Je ne fais pas de procès. Mais je veux simplement vous dire que la première opération que nous avons fait quand nous sommes revenus aux affaires du pays, a été de réaliser un emprunt qui aurait dû avoir été réalisé en 2010. Leur incompétence et leur incapacité à pouvoir régler les problèmes budgétaires de l'année au cours de laquelle ils étaient en activité nous a obligés, nous, de faire un an après. Donc on a perdu beaucoup de temps. Et à côté de ça, je n'arrêterai pas de le redire, l'État de droite, qui a été largement soutenu par la population de Polynésie, n'en a eu cure de cette population pendant la période où nous sommes revenus aux affaires du pays. Elle nous a fait tourner en rond. Quand vous allez revenir aux affaires du pays, et même Lurel l'a dit, il a vu des choses en très peu de temps. Il est venu ici 24 heures. Il a vu des choses en très peu de temps qui lui a obligé
lors de sa conférence de presse sur son départ, de dire que ce sont des choses inadmissibles dans le cadre d'une république. Il voulait pas détailler ce qu'il avait vu et ce qu'on lui avait dit sur la situation dans laquelle on était, mais il nous a simplement lâché cette confidence devant les journalistes, et votre mentor était en face de lui, puisque après, M. Lurel a dit, tiens, je ne savais pas qu'il y avait un nouveau journaliste en Polynésie, pour vous dire simplement qu'il a été véritablement désappointé par la manière dont le pays, pas le gouvernement Temaru, mais le pays a été traité par la droite pendant cette courte période d'avril au cours de laquelle nous sommes revenus aux affaires du pays, et l'avril 2012 où le président de la République, François Hollande, a été élu. Les recettes extraordinaires du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2013 sont modifiées comme suit. Total du chapitre 951 en plus 144 698 258, en moins 109 071 288. Voilà. Je voudrais dire qu'il faudrait qu'on revienne à nos moutons et que la campagne électorale, c'est en dehors d'ici. Hein. Mais je voudrais revenir simplement sur l'article. Il s'agit des recettes extraordinaires du budget et je trouve quand même, et je le dis avec humour, qu'un virement à la section, de la section de fonctionnement de 13 626 970 à titre d'autofinancement, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est tout. Maruru, te maitira tato, wea maitira, wamana, te tato arat fufa. Total général en plus 144 698 258, en moins 109 071 288. Solde en plus 35 626 970. Les autorisations de programme votées au budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2013 sont modifiées comme suit. Total du chapitre 901 en plus 10 millions. Maruru, aure mana o te mai tira tato, o a mai tira o mana. Te pene iwa hane reiwa. Total du chapitre 909 en plus 10 millions. Ai te mana o te mai tira tato, o a mai tira o mana. Te pene iwa hane re hoi ahuru. En plus 33 400 000. Aure mana o te mai tira tato, o a mai tira o mana. Te pene iwa hane re pa ahuru e mahoe. En plus 6 744 970. Total général et le solde 60 144 970 en plus. Les crédits de paiement votés au titre des dépenses en capital du budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2013 sont modifiés comme suit. Chapitre 900, en plus 1 725 600. En plus 13 672 071. Maruru, te venei te tei prauwhati te eifarora a numara toru, e te aninei oi te monopriti teni, ia tei omai tāna whati te eifarora. Oui, alors il s'agit de la modification du chapitre 901 à l'article 5. Total général en plus 49 876 469 francs, en moins 14 249 499 francs, et solde 35 626 970 francs.
S'agissant d'un transfert de crédit, le solde des crédits de paiement est inchangé. Maruru farihia inya ite pene ivahanere hoe oya maiti rawa mana te pene ivahanere tulu. En plus 20,274,400. Maruru maite aure mana irira te maiti ratatu oya maiti rawa mana te pene ivahanere pae. En moins 656,325. Voilà, donc toujours à l'article 5, le chapitre 909 est modifié comme suit. Total général 49,876,469 francs en plus et 14,249,499 francs en moins. Solde 35,626,970 francs en plus. S'agissant d'un transfert de crédit, le solde des crédits de paiement est inchangé. On a bien entendu 14 millions et non pas 14 milliards. Malheureux, mais t'es. Teyene fatitia i farura e o oia rotuitia reo te ivahanere pae te ivahanere ahurue maono. Hamaitiro ia tatu namuani e te ivahanere pae tatatu i te o ene. Poe amaitira uamana tenei e te ene fatitia i farura. Aore mana'o, te maitira tatou, oa maitira uamana. Maruru maitei, penei vahanere ahuru e maono. En moins 6,133,746. Maruru maitei, aore to tatou e mana'o, te maitira tatou, oa maitira uamana. Te penei vahanere pa ahuru e maho. En plus 6,744,970. Maruru maitei, aore mana'o, te maitira tatou, oa maitira uamana. Te tatou arao te faito. Total général, en plus, 49,866,469, en moins, 14,249,499, solde, donc en plus, 35,626,970. Sont autorisées les transformations de postes recensées à l'annexe 1 de la présente délibération. Maruru, manoto tatu irira, aure manao, te maitira tatu, ua mana, toru ohuru e ma poere o ifari, ahuru ma piti o te faea mu oreno. Irava numura hitu. Sont autorisées les modifications de libellés suivantes. Au lieu de 347.2011, réhabilitation du dispensaire de Papara, CDP, 22.2013, acquisition matérielle informatique pour la télémédecine, CDP, 118.2013, équipement et logiciel pour la télémédecine, CDP, lire, 347.2011, réhabilitation du dispensaire de Papara, 22.2013, acquisition matérielle informatique pour la télémédecine, 118.2013, équipement et logiciel pour la télémédecine. Maruru maitei, manoto tatu irira, aure manao, te maitira tatu, hoa maitira uomana, irava numara vau. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Maruru maitei, te ye irava, hoa maitira, te tatuara o te ienei tapurohipana tatu, toru ohuru e maho e reo ifari, ia huru mapiti o te fa ea mhu ore noa, Wamana te ienei opuara. Maruru maitei, te aninei au ia tatou, i hare ei te tapura toru, huru e ma pae piti tautini a huru e ma toru, inei te ieture whenua e te aninei au i te whatrehau, te veranei tāna hapotora. Ti aue. Maruru te peretiteni, tatou ia mui mai, nga te not prau te arfoa. Te hui mana o te whenua nei, te ene o puaraturi no te whauhir ai e tu i tō tātou whenua i te mhanat parau no te whaarawait ai te maurab ea e au. Ia whan Aotearu tei marewa i tā tātou nei pārurur ai ana. Nā ratu i te hapir a, te a or a, te whaininir ai te motomari i tā tātou motaatir a, te hui pāra tātou i reira. Tā te o puaraturi,
O te horoar ai e te mana, I roto I te whearo hupa te hau. Iha no te papai, no te titoro torora, I te whea e huere te pehau, e tu inora. Te imhana, aita tra mana e vere roto I tō tātou rima. Ta te ene e opuar ature, roto I te piti o te tuhua, o te anir aia, nā roto I tātou whaotira, I te whenua whrāne, I ane he te whearo hupa tātou, e titoro toro. Mai tērā wehi a reit mohumuto I whrāni, I te tītoro toro rā, e orera te tiara au te tei tāwana, nene ona e tītoro toro. Te mhana te mairira tātou, no te tauturu rā I te whiara o hipa o te whenua nei, ia tētā tātou mō horo rā I mua I rātou, I te tono rā I te whia, no te whātupu rā I te tītoro toro rā. Te tāhire ia tātou I te horo ala ā, I te tātou ala au te mana, I roto I te whiara o hipa tātou. Trai pere te tini, trai te mohoa. Nā rata I rātu opiti, hoe, no te whā I rei te puta, I rira tātou, hare imi ohi e ai te mō whautua rā. E te piti, te anir ai e te whenua whrāne, te mana titoro toro rā. Maruru mai te, e te whā hamana o tune eo I a tātou, I roto I te ruru rā o te mō preti tēni pupu, e o hamana tātou I te rira praoruti tātou, e whanhor a māma te I e nā tātou. Te anine eo I te awhaiwhai prau I a Lilian Maritirangi, mana oa nei, aore mana orau a inoatara. Te harere eo tō umona ni o I te mōpupu, te anira o I te tia o te taho e rahu I rātira, maina sāj, te au e. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Ministres. Je suis contente que nous puissions peut-être terminer ce mandat sur ce texte. C'est vrai que c'est un texte attendu. Maintenant, c'est qu'une partie de tout ce qui doit se mettre en œuvre pour que ça devienne une réalité, qu'effectivement la police verte puisse vraiment se voir dans toutes les communes. Il y a beaucoup de travail à faire. Disons que c'est une première grosse pierre pour ouvrir effectivement les textes d'application dans l'attente quand même aussi des décrets nationaux. Donc, nous allons soutenir ce texte, bien sûr. Par contre, est-ce que vous pouvez nous donner un état, un peu une mise à jour des discussions avec l'État pour voir dans quel état d'esprit ils sont pour la mise en œuvre nationale aussi, pour nous permettre d'appliquer ce texte localement. Bien entendu, je ne peux que regretter en 5 ans... qu'il n'y ait pas eu une évolution, en tout cas pour les communes qui ne traitent toujours pas leurs déchets. Alors, ce texte va venir permettre d'asseoir le pouvoir communal, mais je me dis, qui va sanctionner les communes, monsieur le ministre? Je dirais que pour moi, c'est la seule faiblesse un peu de ce dossier. Comprenez mon regret. Vous avez un président du pays... président donc du gouvernement, qui, en tant que président du pays, valide ce texte en Conseil des ministres, que nous allons tous soutenir, mais qui, en tant que maire, lui-même, excusez-moi, continue à avoir une décharge au lieu d'aller faire traiter ses déchets. Moi, je le dis très clairement, j'espère que des moyens très concrets seront mis en œuvre pour enfin traiter la commune de Faha. C'est une grosse commune. Il y a du travail, vraiment, il nous avait promis, je me rappelle, c'est un des tout premiers dossiers que nous avons traité en début de mandature, d'inscrire en autorisation de programme des solutions, parce qu'il voulait aussi peut-être travailler d'autres solutions. On connaît son rejet historique du CET de Peihoro, c'est son choix, mais au moins qu'on ait une solution pour cette grosse commune de la zone... de la zone urbaine. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire si ça avance aussi de ce côté-là? Voilà. Et enfin, le dernier point que je voudrais dire, c'est que dans la mise en œuvre
a posteriori de ce texte avec des amendes qui seront donc appliquées. On voit quand même qu'il y a bien sûr un frein aussi de tous les agents qui seront amenés à s'ermonter à le faire. Donc on a bien entendu, j'ai lu le PV de commission qui avait eu un gros effort de mener de votre côté pour apporter de l'information, de la formation. Toujours est-il que cette amende va, en tout cas, qu'elle soit forfaitaire ou pas, mais dès qu'on est sur effectivement une pénalisation par type d'amende, cette recette va retourner au pays. Est-ce que dans votre conception des choses, vous comptez quand même réaffecter systématiquement cette recette à ce travail de formation, d'information? Il y a aussi eu des questions sur les travaux d'intérêt généraux, qui sont une autre forme de pénalité qui, à mon sens, est une forme plus incitative au respect de notre environnement et c'est peut-être plus constructif aussi comme mesure. Donc, est-ce qu'on peut avoir aussi des informations sur la mise en œuvre de ce gros chantier? J'ai vu que vous étiez bien rapproché aussi de l'État, des services, du procureur, il me semble, pour arriver à ce que vraiment ce texte soit appliqué demain. C'est ça, en fait, principalement notre souci. Voilà. Merci. Oui, je vais être très courte. Bon, ce texte est évidemment un progrès, donc nous y sommes favorables. J'ai une question que je voudrais poser au ministre, c'est celle qui est relative aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Il est bien indiqué que les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales investis de missions de police administrative pourront en faire partie. Donc je voudrais savoir si le ministre a eu l'assurance que dans les communes en particulier, on est bien entendu et accepté le principe de participer à ces missions de contrôle. Et dans quelles conditions les communes soit un dédommagement, soit des avantages, en dehors du fait, évidemment, d'améliorer la situation de l'environnement. Maruru maitei, te anine iau te tiau te mana o te mumutu, aure man o te tiau te tapura amui, Choti Anderson tiau. Merci, Président. Donc, ce texte vient à point nommé, notamment comme le soulignait notre collègue Maïna Sage, et qu'en ayant au sein de la commission législative eu à discuter au plus profondément de ce texte-là, et j'ai bien noté que le procureur était partie prenante des discussions de mise en place de ce texte, nous avons pu également être agréablement surpris par le fait que les maires seront sollicités, parce que Notawana se trouve être l'interface privilégiée auprès de ses administrés, et à charge, peut-être que les administrations devront être mieux disposées pour mettre un agent de l'environnement ou un agent de l'équipement dans tous les coins et tournants de notre pays. C'est un peu invraisemblable. Donc je crois que le Tawana est un peu la pierre angulaire pour être un peu les yeux, les oreilles et la bouche auprès de ses administrés et de pouvoir disposer notamment des outils disponibles, les carnets à souche notamment, etc. Et puis de pouvoir noter comme il faut les degrés dans les délits qu'il faut pour trouver à verbaliser, les différentes actions de nos populations. On a pu également observer la mise en place du timbre amende, qui est une nouveauté quand même pour régler ces amendes-là. Et voir poindre les amendes forfaitaires dans sa version minorée et majorée, qui peuvent faciliter quand même l'usager à pouvoir prendre, le bénéfice de payer sa contravention. Donc je crois que c'est une avancée majeure. Et il y a un second projet de loi du pays qui en attend quand même, qui arrivera sous peu,
à ce que notre ministre nous le disait tantôt. Donc pour nous également, Président, il n'y a aucun souci. Et dans sa version de procédure simplifiée, je vous demande, si vous voulez bien, de passer rapidement au vote de cette loi. Voilà, Maruru Maitek. Maruru Maitek, Fatri Hau, tu verras, n'était pas honoré, tu m'as ouïda. Maruru Pritzteni. Pour apporter quelques éclairages sur ce texte et les observations faites par notre Assemblée, en 5 ans, j'ai, avec le gouvernement, occupé 2 ans. Enfin, je voudrais rendre à César ce qui est à César et rendre le bilan positif, excellent avant moi et apporter seulement ma modeste contribution. Je n'ai pas assumé 5 ans de responsabilité à ce poste. Concernant nos relations avec l'État, j'ai eu l'opportunité de me déplacer en France dès l'arrivée de la gauche, notamment de porter ce dossier pour permettre à nos agents d'être totalement indépendants de toute action d'une supérieure ou d'un supérieur hiérarchique. Et la seule façon de leur donner ce droit, c'est de pouvoir les faire bénéficier de ce dispositif. Au retour, avec mon équipe, nous avons beaucoup travaillé avec le procureur, les procureurs, pour essayer de construire cet ensemble d'arsenal. Même si le terme arsenal ne me plaît pas, mais on est bien obligé de pouvoir porter les timbres amende, l'assermentation de ce personnel, la mise en place des équivalents sur les sanctions. Donc il s'agit d'un arsenal, mais c'était un dispositif qui manquait et qui aujourd'hui est absolument nécessaire. Donc ce texte vient combler ce dispositif. Ce dont simplement je peux indiquer, depuis qu'on a fait acter les textes sur la dégradation de ces zones réservées, protégées, etc., on a fait un bilan avec le procureur, parce que j'ai souhaité rappeler que notre rôle à nous, c'est de faire adopter des textes. Dans leur application, ça nous dépasse. Le procureur nous a énormément accompagnés, puisque rien que sur le bruit qui est aujourd'hui devenu une des pollutions qui, au-delà de ce que l'on peut voir, agresse énormément chacun d'entre nous. L'efficacité dans laquelle il a suffisamment donné avec 451 plaintes exécutées. Ce qui montre qu'aujourd'hui, la magistrature, la justice, prend conscience que la gestion du cadre de vie et de la qualité de vie est un élément essentiel dans le développement. Et j'espère que ce texte que j'ai bien entendu, on va l'adopter dans son application, ne sera que la continuité de la politique sectorielle en matière de mesures coercitives et qui, pour le prochain gouvernement et les prochains ministres, auront à cœur de pouvoir amener jusqu'au bout. En ce qui concerne la décharge de FAA, je peux comprendre que l'opposition se focalise sur FAA, mais j'ai eu tout de suite après la mise en place du syndicat mixte des ordures, des déchets, le SMO, qui est une compétence des communes, hein, ce n'est pas la compétence du pays. J'ai invité le président et le bureau syndical à faire le tour de l'île avec moi. Et nous avons visé toutes les décharges qui existent dans nos communes. On ne va pas faire de la délation. Si on continue sur la côte ouest, à Papara, au fond de la vallée, ce n'est pas mieux que Faa. Je parle de choses qui sont déjà publiées. Ensuite, je ne veux pas vous faire une photo de Mahina et dans la situation de Mahina. Donc, je veux bien qu'on focalise sur Faa. Il n'y a pas de souci. Mais il serait de manière objective, injuste de considérer que c'est la seule commune aujourd'hui qui soit dans cette situation. Et je fais grâce de toutes les autres communes, et si vous étiez d'accord à la fin de la mandature, je veux bien vous inviter, et on fait le tour de l'île, et on va voir dans toutes les communes et toutes les sections de communes, l'ensemble des décharges aujourd'hui qui existent. Et pourtant, toutes les autres communes ont accepté de siéger dans le syndicat mixte pour quelques-unes, d'être partenaire avec la CEP ou avec une société privée. Tout ça pour dire, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de vouloir, d'un claquement de doigts, solder des comportements, des attitudes, une gestion financière des établissements industriels, commerciaux, qui profitent de la pénombre de début de soirée
pour rentrer dans des charges qui ne sont absolument pas fermées et y déposer. Et ce texte va venir aider à ce que nos agents puissent avoir la possibilité de faire de la fouille, d'enquêter, pour pouvoir ensuite transmettre au niveau du procureur sans que l'on soit obligé d'avoir une procédure longue. Il faut demander au Mouteuil de venir, il faut demander à la gendarmerie de venir, il faut faire confirmer. Avec ce dispositif, on va donner les outils nécessaires à nos agents pour pouvoir faire ce travail de recherche de l'infraction. Parce qu'il y a des signatures dans nos poubelles aujourd'hui. On se ne gêne pas. Les pneus, on sait d'où ça vient. Les carcasses que l'on a vues dans une commune de la côte Est, il y avait encore l'étiquette du magasin dessus. Donc ce texte va venir aider nos agents à pouvoir faire leur travail et donner un signal fort par rapport aux délinquants qui considèrent qu'en début de soirée, on peut s'y rendre facilement, il n'y a pas de souci. C'est l'objet de ce texte. Néanmoins, ce texte ne va pas non plus régler la problématique de la REP, qui est un autre volet qui ne rentre pas dans l'arsenal tel que je vous le présente aujourd'hui, qui est un autre texte qui est, j'espère qu'on va pouvoir vous le présenter malheureusement, peut-être pas avec notre gouvernement, mais avec le prochain gouvernement, il est pratiquement fini. Et j'espère qu'il sera présenté à l'Assemblée dans ce premier semestre, comme je m'étais engagé à le faire ici devant vous. Voilà pour répondre à quelques interrogations et critiques. Je rappelle que les déchets, c'est une compétence communale. Et de cette compétence communale, le pays accompagne par la formation. Nous ne nous sommes pas contentés uniquement de voter des lois. On s'est déplacé avec notre équipe ministérielle pratiquement dans toutes les communes de Tahiti, de Montréal, pour pouvoir aider les Mouteuils à organiser la mise en place de ce dispositif que nous avons déjà acté. Et aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. Et j'espère en tout cas qu'on ne reviendra pas en arrière. En tout cas, dans la démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits, ce n'est qu'au travers de ce dispositif-là qu'on va déclencher un autre comportement de ceux qui font la sourde oreille. Voilà, Monsieur le Président. Maruromaite, iteme aite praufati ki farora i fatahi amai no te tapura hupa. E mai ti tatu ite iteme ni ite tatu ar au te ienei opuar ature whenua, te anine ei to tatu papai praurhei. Iap ime ite ua tu mou tia o te fae amai no mai ti te tapura. Madame Algoema. Monsieur Alfateari, absent. Madame Bic Sabrina, absent pour que Madame Tamara Bob Dupont. Pour Madame Tamara Bob Dupont. Pour. Monsieur Bissou Jean-Christophe, absent. Madame Brodien-Rosine, absent. Madame Chavez-Daphné, absent. Madame Cross-Valentina, pour. Monsieur Jacques Hidrolet, pour. Monsieur Flos Gaston, absent. Procuration Madame Sandra Liliagami, pour. Madame Fribourg-Jouel, absent. Procuration Madame Inari Galnon, pour. Monsieur Fléché-Edouard, absent. Procuration Madame Algoïma, Madame Galnon-Minari, pour. Monsieur Georges Anderson, pour. Monsieur, Madame Ishano Nutea, pour. Madame Eriti Teura, absent. Madame Isalei Fara, absent. Pour Grèce, Madame Patricia Tétonu Jennings. Madame Jennings Tétonu Patricia, pour. Monsieur Cote Benoît, absent. Pour Grèce, Madame Liliane Marie Ferragui. Monsieur Komoitini René, absent. Pour Grèce, Madame Léonie Matawa, pour. Monsieur Lisa Marcelin, absent. Monsieur Mamate Utapo Victor, pour. Madame Manutelivia Gami Sandra, pour. Madame Maria Ima, absent. Monsieur Mario Latina, absent. Procuration Madame Parker Eleanor. Pour. Madame Marie Tiragameroto Liliane, pour. Madame Matawa Leoni, pour. Monsieur Matawa Mayron, absent. Procuration Monsieur Ruben Termate, pour. Madame Ati Juliana, pour. Madame Merceron Armel, pour. Madame Olivier Marise, pour. Madame Opa Afouanik, absent. Procuration Monsieur Hiruiti Tefariri, pour. Madame Parker Eleanor, pour. Monsieur Paul Etekinoui, pour. Monsieur Rapoto Jean-Marius, pour. Madame Richton Monique, absente pour création Madame Aïna Sage, pour. Monsieur Rivetta Frédéric, absent. Monsieur Romain Rofeno, absent pour création Madame Juliana Mati, pour. Madame Sage Maïna, pour. Monsieur Gilles Philippe, absent. Madame Tama Françoise, pour. Madame Tani Thérèse, pour. Monsieur Tonso Robert, absent. Monsieur Tchung Touro, absent. Monsieur Tefari Rehiroiti, pour.
M. Temeharo René, absent. M. Telemate Ruben, pour. M. Teripayamita, absent. Mme Teruatia Sylviane, absente. Mme Tetone Lana, absente. Mme Teoura Justine, absente. Pour grâce à Mme Tani-Thérèse. Pour M. Tangson Gaston, absent pour curation, à Mme Armelle Le Merceron. Pour M. Tosmaël, absent pour curation, à M. Outia Damas. Pour Mme Touchobière Catherine, absent, M. Outia Damas. Pour Mme Vernondon Béatrice, absent pour curation, à M. Tekin Mipolier. Pour M. Vernondon Clarence, absent pour curation, à M. Jacques Hidroulé. Pour. E aturat mai tira ni te ye nei ture fenua e ma huru e ma ho e rio i whaar i, aore rio i pat oi, aore rio i whaar e muhu ore noa, ua mana te ye nei tapura hupa, mai nasas. Oui, petite explication de vote, bien entendu, comme je l'ai dit, nous sommes pour, et Tour de Lille inclus, monsieur le ministre, pour le temps qui nous reste, hein, on ne sait pas combien de temps il nous reste encore à œuvrer là. Ce sera avec grand plaisir, mais je le pense sincèrement, je pense qu'il faut trouver une solution pour cette commune, parce que la problématique n'est pas la même qu'ailleurs, c'est pas à la même échelle, ce n'est pas à la même échelle, mais effectivement, il faut traiter aussi les autres et comprendre pourquoi, peut-être, malgré des systèmes actuels, certains, peut-être, continuent à utiliser d'autres décharges. Et puis, il y a les îles aussi. C'est ce que je voulais dire, parce qu'eux aussi n'ont pas encore de solution. Donc c'est un oui pour Tour de Lille inclus. Alors, si on commence par ça, bien sûr. Maruru Maïté, Sandra Léviagamé. Oui, Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre de l'Environnement. On n'a pas toujours été d'accord sur certains points, mais ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a travaillé. Moi, j'avoue que je reste un peu sur ma faim par rapport aux mesures qui ont été prises jusqu'à présent. Puisqu'il y a toute la mise en place qu'il va falloir organiser, sachant qu'une loi, une fois qu'elle est votée, il faut qu'elle vive. Et les sanctions qui ont été votées jusqu'à présent, on ne les voit pas encore dans l'application. Et c'est là où je voulais rebondir sur ce que Georges disait précédemment. Bien évidemment, ça doit se faire avec le partenariat des communes, et notamment des Tavana. Et là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à réaliser. Mais en tous les cas, faitoito pour la suite. Maruru Maitei, te ravene tatu i tatatou tapura hupa numero toru, huru e ma opiti tau tine huru e ma toru. E tine anu e a tatu i tra whanhor a whaohie, procedure d'explication d'examen simplifié. Te anine eo i to tatu whatrehau, tana apotora ani e te tumupra, te au e. Oui, Monsieur le Président, ce texte, c'est vrai, a été fait un peu rapidement parce que ça concernait les équipes qui venaient au beach soccer. Vous savez que quand les équipes viennent, ils viennent avec leur masseur, leur médecin et avec tous les médicaments qui accompagnent donc concernant le traitement, la mise en forme de nos sportifs. Et donc, on a donc essayé d'adopter notre loi de pays, puisque notre loi de pays ne prévoyait que l'importation des médicaments que par nos institutions, c'est-à-dire donc l'hôpital, la santé et Malardé, et les officines, et puis certaines professions, notamment les vétérinaires et les dentistes. Non. Donc, mais il n'y a pas d'importation qui a été prévue, par exemple, pour une équipe qui viendrait ici. Et là, dans la foulée, on a profité aussi pour permettre justement de corriger, notamment en ce qui concerne les EVASAN, vous savez, surtout ceux qui vont en Nouvelle-Zélande et qui reviennent et qui n'ont pas forcément les médicaments d'ici. Donc, ils avaient des problèmes de trouver les médicaments ici. Et donc, on a autorisé dans notre texte qu'on puisse venir avec ses propres médicaments, mais à titre personnel, ou alors des médicaments qu'on fait venir notamment par Internet, mais sur prescription médicale et toujours pour consommation personnelle. Voilà, Président. Maruru, te afefe prou o Mama Leoni, arre pae man auto Mama Leoni e te tumu prou, e man oaneito o enos fa i te tumu prou. Nā rira, Maruru mai te ei, wa whaatahi e hoa e hora nā tātueni e te tapura hupa, te anine eo i te tia o atia puri ne tia.
ya tia mai tona mana aure mana te taho era huira tira e malgo tia oe maru e peteni. Alors, le projet de loi de pays qui nous est soumis vient donc modifier une délibération ancienne de 33 ans et qui n'est plus adaptée aux besoins d'importation des médicaments en Polynésie française. Ce texte aurait probablement, en effet, nécessité un toilettage en profondeur. Seules deux modifications nous sont donc proposées, dont l'une est dictée par l'urgence en vue du prochain grand événement sportif, le beach soccer dans notre pays. Nous espérons, Monsieur le ministre, que le présent projet de texte sera le dernier du marathon législatif, parce qu'on en a pris aussi des textes dans d'autres domaines, juste toujours dans le cadre du beach soccer. Rassurez-nous, aujourd'hui, Monsieur le ministre, est-ce vraiment les dernières des modifications nécessaires pour qu'enfin toute l'organisation de cet événement exceptionnel se déroule dans la sérénité? Pour le projet de loi de pays propose d'assouplir, en effet, la procédure administrative de demande préalable d'autorisation d'importation des médicaments, que l'on soit un particulier ou une délégation sportive extérieure à la Polynésie française. Pour les particuliers, notamment au retour des Evassan, et quel que soit le pays où les soins ont été prodigués, aucune autorisation préalable d'importation ne sera nécessaire lorsque ceux-ci transportent personnellement les médicaments. En revanche, lorsque le médicament est apporté par une autre voie, je cite, que le transport personnel, l'autorisation du directeur de la santé est requise. Et là, Monsieur le ministre, je souhaite que vous nous donniez des précisions, et vous aviez abordé un petit peu tout à l'heure, sur cette notion-là, par une autre voie que le transport personnel de médicaments. Par exemple, avons-nous les outils de contrôle pour ce qui concerne les commandes de médicaments par Internet? Dans l'affirmative, dites-nous comment s'opèrent ces demandes d'autorisation d'importation de médicaments par Internet. En ce qui concerne le tournoi international de beach soccer, les médicaments importés par les délégations sportives extérieures à la Polynésie restent là soumises à autorisation préalable du directeur de la santé après avis de l'inspecteur des pharmacies. Mais les services techniques de la santé, présents lors de la commission législative, nous ont assuré que les équipes sélectionnées seront connues 2 mois avant l'événement. Elles disposeraient donc de 2 mois, soit à partir de juillet 2013, de délai pour remplir les formalités nécessaires qui établissent la liste des médicaments dont les compétiteurs feront usage. Ce délai serait suffisant à la direction de la santé pour délivrer ou non l'autorisation de cette importation de médicaments. Nous avons néanmoins des interrogations concernant l'efficacité des contrôles. Par exemple, quels sont les moyens de contrôle dont dispose le pays pour éviter, et ça c'est dans le texte, que les médicaments importés par les équipes sportives extérieures à la Polynésie, je cite, ne soient utilisés, administrés ou cédés à d'autres personnes? Quels sont vos moyens de contrôle? Comment savoir que ces mêmes médicaments non utilisés seront réellement rapatriés au départ des délégations sportives extérieures à la Polynésie française? Parce qu'il semblerait qu'il existe une vraie solidarité sportive entre nations. Des liens d'amitié se créent qui faciliteraient des échanges de médicaments avant de quitter le pays d'accueil. En clair, Monsieur le ministre, est-ce que votre projet de texte répond vraiment aux objectifs recherchés? Monsieur le Président, je voudrais saisir aussi de cette occasion, parce que là, je viens de faire ma dernière intervention dans notre hémicycle, pour vous dire que combien j'ai été ravie d'avoir quand même travaillé avec les uns et les autres. Et je dirais qu'également que j'ai fait le choix, dès août 2012, de ne pas me représenter. Donc, aux prochaines élections, c'est un choix tout à fait personnel. Et donc, je réintégrerai
mon corps d'origine de la fonction publique. Et je pense qu'avec les expériences que j'ai acquises auprès de vous, vont également faciliter le travail au niveau de la mise en exécution de la politique, des politiques gouvernementales, quel que soit le gouvernement qui sera donc en place. Et j'espère que ce sera l'équipe que je soutiens aujourd'hui, c'est-à-dire l'équipe du Tahwirahwil Atira. Et vraiment, je pars avec sérénité. Et je pense qu'il faut également des personnes d'expérience, parce que s'il n'y a pas de personnes d'expérience pour mettre, faciliter, exécuter les politiques gouvernementales, eh bien, ça ne vaut pas grand-chose, on peut avoir plein d'idées. Mais je retiendrai surtout de ces neuf années passionnantes, malgré un contexte politique tumultueux, et j'ai vraiment beaucoup appris avec vous, avec les uns et les autres. Et donc, je souhaite à chacun un bon courage, une bonne continuité. Mais je continue la bataille politique sur le terrain avec l'équipe, le groupe Tahwirahwil Atira. Merci. Maruru Maïté, Armel Merceron, allez-vous voter pour le Tahwirahwil Atira? Non, c'était simplement pour dire que moi, je me représentais. Voilà. Mais allez-vous voter pour le Tahwirahwil Atira? Comme Emma Algon, vous allez voter pour vous. Très bien. Maintenant, on est tous les gens qui ont été voter. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, en lisant le rapport, je me suis demandé laquelle des mesures profitait à l'autre. L'importation de médicaments pour la Coupe du Monde de Beach Soccer ou la possibilité pour les personnes malades de transporter avec eux les médicaments dont ils ont besoin. L'une et l'autre sont des mesures légitimes. Cependant, on a l'impression qu'avec ce projet, on s'est découvert une urgence avec la Coupe du Monde. Pourtant, la convention a été signée il y a plusieurs années. Et puis, il me semble que la population aujourd'hui est préoccupée par d'autres priorités. En même temps, on ne veut pas empêcher cette manifestation de se réaliser. Nous devons au contraire démontrer notre capacité à organiser un tel événement et montrer une autre image de notre pays que celle d'une spirale sans fin vers la crise, vers la crise. En même temps, ce projet me fait penser à ce problème de dopage qui pollue le sport. Comment s'assurer sans contrôle que parmi les médicaments transportés par ces sportifs, il n'y ait pas d'anabolisants? Plus largement, quelle est la politique et les contrôles exercés à l'endroit de nos athlètes? Par ailleurs, quels sont les moyens humains qui sont susceptibles d'être alloués à ces contrôles aléatoires qui vont devenir nécessaires si on ne veut pas donner le sentiment d'une trop grande permissivité à l'égard de l'importation de médicaments dont certains peuvent être de puissants psychotropes? Donc, je vous remercie par avance pour les réponses, Monsieur le ministre, que vous pourrez apporter à ces interrogations. Et Monsieur le Président, je voudrais profiter aussi, puisque c'est la dernière séance, de remercier, et surtout pas, je ne voterai pas le Tahwira, je vous l'ai déjà dit, et surtout pas, et j'ai une pensée pour le président de mon groupe. C'est surtout, il ne votera pas, certainement pas Tahwira non plus. J'ai une pensée pour lui aujourd'hui et je voudrais au nom de notre groupe remercier toutes les personnes avec qui nous avons travaillé pendant ces années et aussi souhaiter bon courage aux personnes qui vont partir, qui sont candidats pour ces élections. Et merci aussi pour nos ministres et les projets que nous avons étudiés, qui vont faciliter aussi pas mal le problème des personnes. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Maruru Maïté, t'es à pour amoui, man ahupe ane,
Vito, aure manon, te fahiro uru tuito tato fatrehau, mi te peu e te vera te reimo pahonur ati auer. Oui, justement, le texte a été donc réécrit en tenant compte justement des problèmes des, comme je dis tout à l'heure, des Evasan et surtout d'Internet. Pour Internet, c'était la partie médicaments importés à titre personnel, mais avec autorisation, parce que la première disposition concernait vraiment le malade qui revenait avec ses médicaments. Donc la deuxième disposition, donc ça concerne Internet. Et après, donc, il faut une prescription médicale pour pouvoir obtenir justement les médicaments. Normalement, c'est sur la prescription médicale que ça se fait. Donc, la responsabilité importe au médecin, hein, à moins que le médecin s'amuse à prescrire des stupéfiants, tout ça. Donc, ça tombe sous la responsabilité du médecin, hein, cette partie-là. Par contre, pour la partie... Bisoka, là, c'est peut-être pas marqué en toutes lettres, mais c'est vrai qu'il y a l'homme de l'antidopage qui est là-dessus. Premièrement, quand ils viennent, tous les médicaments, il faut dresser la liste des médicaments qu'ils vont apporter, et puis redonner la liste des médicaments quand ils vont partir, parce que tout ça, ça va être contrôlé et par la direction de la santé, et surtout du médecin organisateur de l'événement. Il y a un médecin organisateur de l'événement, parce que c'est vrai que c'est surtout à ces occasions-là qu'on utilise un peu des produits un peu suspects, surtout des produits dans le but d'augmenter ses performances sportives. Et donc, vous avez la première phase du contrôle antidopage, c'est donc au niveau des médicaments qui est présenté donc, au niveau de la liste, hein, qui sont présentés donc, aux autorités de contrôle du pays et du comité organisateur de l'événement, hein, du Bisoka. Et le deuxième, bien sûr, c'est le contrôle antidopage habituel, sachant que maintenant, il n'y a plus d'événements au niveau mondial sans contrôle antidopage. Hein. Ça veut dire donc, en général, le contrôle antidopage s'intéresse toujours aux trois premiers, et après les autres sont tirés au hasard, hein, pour le contrôle antidopage. Et comme vous savez, c'est la même procédure, normalement, hein, tous les médicaments passent au contrôle antidopage, c'est-à-dire sont testés, hein, dans les appareils, dans les chaînes automatiques, pour savoir s'il n'y a pas un médicament que la tête aurait pris. Voilà. Alors, on a été fait très haut, il te met un... Et tout le fait nous avons aussi nous attayé et aussi tata tata au programme a été prouvé à titre effaroir à tiens il n'est tata tata pas au programme il y a pas eu tata tata au nom de maïti. Madame Algoima pour Monsieur Alfateri absent pour classe Monsieur Jean-Christophe Bissou pour Madame Big Sabrina absent pour classe Madame Tamara Bob Dupont pour Madame Tamara Bob Dupont pour Monsieur Bissou Jean-Christophe pour Madame Baudin Rosine absent Madame Chavez Daphné absent Madame Cross Valentina pour, Monsieur Jacques Hidroulet pour, Monsieur Flos Gaston absent pour classe Madame Sandra Libiagami. Sandra Libiagami pour, Madame Fribourg-Joël absent pour classe Madame Inarigal non pour, Monsieur Fritsch Edouard absent pour classe Madame Algoima pour, Madame Gallon Minari pour, Monsieur Anderson Georges pour, Madame Hirschon Nounoutea pour, Madame Iriti Teura absent, Madame Isale Farah absent pour classe Madame Patricia Tetoni Jennings. Pour Madame Jennings et Tony Patricia, pour Monsieur Cauté Benoît, absent pour Crescent Madame Liliane Marie-Thérèse Mairoto, Monsieur Comitini René, absent pour Crescent Madame Léonie Matawa, pour Monsieur Lison Marcelin, absent, Monsieur Mamata Yuta pour Victor, pour Madame Anoutelie Biagami Sandra, pour Madame Maria Emma, absent, Monsieur Maria Uratena, absent pour Crescent Madame Iliano Parker, pour Madame Marie-Thérèse Mairoto Liliane, pour Madame Matawa Léonie, pour Monsieur Mairon Matawa, absent pour Crescent Monsieur Ruben Térématé, pour Madame Athé Juliana pour, Madame Erceron Armel pour, Madame Olivier Maris absent pour Crescent, Madame Françoise Tama pour, Madame Opa Afouanik absent pour Crescent, Monsieur Hiroitite Farere pour, Madame Parker Eleanor pour, Monsieur Paulite Kinoui pour, Monsieur Rapoteau Jean-Marius pour, Madame Richton Monique absente, Monsieur Rivetta Frédéric absent, Monsieur Romain Tarofeno absent pour Crescent, Madame Juliana Mati pour, Madame Sage Maïna absente, Monsieur Gilles Philippe absent, Madame Thomas Françoise pour, Madame Tani Thérèse pour, Monsieur Tonso Robert absent, Monsieur Tung Tururu absent, Monsieur Tefari Hiroiti pour,
Monsieur Temeharo René, absent. Monsieur Trimati Ruben, pour. Monsieur Teripayamita, absent. Madame Teruata Sylviane, absent. Madame Tetono Ilana, absente. Madame Teura Justine, absente. Pour que ça, Madame Tani Thérèse, pour. Monsieur Tongson Gaston, absent. Pour que ça, Madame Armel Merceron, pour. Monsieur Toho Ismaël, absent. Pour que ça, Monsieur Outia Damas, pour. Madame Tushobia Catherine, absent. Monsieur Outia Damas, pour. Madame Vernodon Béatrice, absent. Pour que ça, Monsieur Tekinoui Porrier. Pour. M. Vernodon Clarence, absent. Pour que ça, M. Jacques Hidrolé. Pour. Alors, 41 voix pour. Maruru Maitei, et Maha Ahuru et Maho Ereo Teifari, Aurelio Patoi, Aurelio Faem Orenua, ou Mana Teyene Ture Fenua, Teyaninea Yotato Papa et Prav, Yatai Omae, Temauratai Tame Yotato. Monsieur le Président, tous les représentants ont donc dans leur dossier le relais de la correspondance reçue du 1er février et arrêté le 20 mars 2013. Maruru Maitei, Houtato et Aéé, Naroe Faheur Tutato Mono Pretitini. Maruru maitei te mono pretiteni, houtatu et aeei. Narone eu eha maruru maitei a oto, nani eito oti ara pretiteni no tatato fare apurarhei. Tei temei, tei ori temei, tei maro, tei tuatapapai te parau, no te hau maitei te ora ratu nuna. Kaline eu ia tatoe popo, tatoe ia tatoe iso. Ha maruru ta aeei te mou mero e rohinei, irutei te ienei piata tatou, iraroa et faterera ia Jean Santini. Popoto a tatu iana. I rutu itmo upuara ta tatu iravei o nei, wa hamait ehi a ta tatu whare aporarhei na oto e hi oi terira. Wa imi a tohi a te ravea, no te hamait e itmo terira o hupa. I rutu it a tatu whare aporarhei. E iati amait e tei pērhei api i te ahuru e maono no me, i rutu ite ienei whare aporarhei, te vera rutu itirima te tei mo moihaa. No te whātupura ia i te tapura hupa papua te ho e pia mi te ie a tatu tiuru. No rira, nani e to otoi oa, pa atoa te hin arone eau e haa maruru i te tātua ra otomo tātai i whaitui tō mei, te i tē mei, te i ore i tē mei, whaitui tō te whaia e horora rote i te e maikira. E pene ai wharere a tatu i te ahuru e maono no me, me te peu e ti aia. Maruru mei tei, iorana, hora ahuru mapiti me iri ma ahuru e mapiti, miniti i te piti ahuru e maono mati, Wahopeta tato tapura hupa. Yaurana.